Bonjour à tous, nous allons parler de scepticisme, de zététique avec Monsieur Sam. C'est Discussion avec Hassan et c'est maintenant. Bonjour Sam. Salut Hassan. Je te remercie d'avoir accepté cette invitation et j'en profite pour te remercier d'avoir toujours souligné que nous avions eu un échange cordial. J'ai remarqué que quand il est arrivé qu'on évoque le sarcobalt ou qu'on m'évoque, tu précisais qu'il y a toujours eu un respect dans nos échanges, ce qui était sincère. Il y a bien des années, quand j'ai eu l'occasion d'échanger, j'ai toujours exprimé du respect. Alors, c'est pas anecdotique, je pense que c'est important, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Pour moi, c'est très important, ça. Mais pour moi aussi. C'est le savoir-vivre. Oui. Et donc, même si je pouvais être frustré, etc., mais j'ai toujours eu du respect pour les sceptiques en général, même ceux qui me méprisaient, mais j'ai toujours exprimé du respect. Et je te remercie d'avoir, de l'avoir dit, de l'avoir remarqué. C'est quelque chose qui m'a plu. J'ai envie de dire que paradoxalement, tu as accepté finalement cette invitation au moment même où tu cesses ton activité de sceptique sur YouTube, hein, puisque tu as fait une vidéo. Bon, tu as fait une vidéo où tu as dit que tu as arrêté YouTube. Ouais. Voilà, donc tu as arrêté ton activité sceptique sur YouTube, bien sûr. Bah, j'arrête de professionnaliser cette activité. Voilà. J'arrête de vouloir représenter la communauté. C'est ça. Et j'arrête d'accepter de subir l'interface YouTube qui prend une direction qui ne me plaît pas du tout. C'était les trois raisons qui m'ont... Il y a effectivement ces trois trucs raisons que j'ai arrêtés, en gros. Effectivement. Quoi. Il y a l'aspect technique lié à YouTube, au fait que financièrement, ça devenait impossible. Et il y a aussi le fait que tu t'éloignais du milieu sceptique de ce point de vue-là. Et ce que je trouvais paradoxal, c'est que tu acceptes de venir dialoguer avec moi au moment même où... Enfin, parce que tu arrêtes cette activité. Et... J'aimerais en fait commencer finalement par ça. Pourquoi il y aurait un lien ou qu'est-ce qui fait que le fait de cesser d'être lié à la communauté sceptique te permet d'être libre de dialoguer avec qui tu le veux? Bien sûr, on peut t'expliquer ça, mais avant je vais faire mon petit disclaimer habituel, ça ne te dérange pas. Donc je dois bien dire que je suis là, non pas parce que je suis à fond avec toutes vos idées, non pas parce que j'approuve tous vos contenus, tous vos tweets jusqu'à votre naissance. Je m'en fous complètement, j'ai pas pris le temps de regarder les contenus très en détail. J'ai vu des trucs qui m'ont plu, j'ai vu des trucs qui m'ont moins plu, comme partout. Je n'ai pas d'avis à donner sur les gens chez qui je viens maintenant. Il y a de ça, pas si longtemps que ça, j'étais chez quelqu'un qui se présente comme un militant féministe. Ici, je sais même pas comment vous vous présentez. En fait. Zététicien. Zététicien sceptique, bon ben voilà. On va transhumaniste en discuter. Aussi. On va en discuter parce que je parlerai. Je pense qu'en fait, on peut. Et alors, en plus, pour compliquer les choses, c'est qu'entre moi et Hassan, il y a des différences notoires. Ah ouais. Mais j'espère bien qu'il y a des différences notoires. Exactement, parce que c'est ça qui fait la force d'une chaîne, à mon avis. Voilà. Et je pense pas qu'on puisse s'identifier zététicien ou sceptique, en fait, mais ça, on va en reparler plus tard. Et c'est une des raisons qui fait que j'ai quitté. Moi, c'est parce que je suis un peu coquin. J'aime bien rire. Ouais. Et il y a aussi le fait que. Il y en a un qui fait ça en ce moment, je crois que c'est un serbe ou je sais plus quoi, enfin bon, bref. Tu crois que ça vient de l'Est un petit peu, tout ça, ça souffle. Mais bon, est-ce que tu as fini ton disclaimer? Pardon, oui, enfin en gros, le disclaimer habituel, je refuse le déshonneur par association, je refuse aussi qu'on vienne dire que je sers la soupe à qui que ce soit, de quoi que ce soit. Moi je suis là pour parler de zététique, je suis pas là pour parler, je peux parler de mes opinions, mais je déclare que c'est des opinions, et quand je serai hors science, je dirai que je serai hors science, etc., etc. Voilà. Et pour moi, la zététique, c'est un outil qui sert aux humains, et donc les humains qui rassemblent des gens, et ben je vais chez eux et je parle de zététique, pour un bar. Moi aussi, je fais un disclaimer. Non, mais pour moi, en fait, encore une fois, c'est paradoxal, parce que tu t'adresses à un public de sceptiques, ça devrait être le béaba. C'est comme si on s'adressait à un public, je sais pas, de professionnels du cinéma ou de professionnels d'un domaine, et tu leur racontais le béaba. C'est bien que quand vous filmiez quelqu'un, il soit dans le cadre ou dans le champ, ou je sais pas quel est le terme. Bah oui, c'est le béaba. Est-ce que à des sceptiques, il faut rappeler le béaba que le crime par association, c'est un sophisme. Aujourd'hui, oui, il faut le rappeler. Et il faut le rappeler. Donc, c'est en ça que je trouve qu'il y a un paradoxe, d'une certaine manière. C'est un paradoxe, moi je pense qu'il y a un problème. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais avoir ton avis là-dessus, sur cet état. Moi, je pense,
après toutes ces... Alors, je vais faire un argument d'autorité, hein, après toutes ces années dans la zététique, après avoir fait ce parcours, etc. Je pense qu'on s'est trompé sur un truc ultra important, c'est qu'on ne peut pas faire de la zététique une militance, en fait. Et beaucoup de gens ont essayé d'expliquer que si, c'était un acte politique, etc., etc. Mais pour moi, dire qu'on fait de la zététique une militance, c'est à peu près aussi pertinent que de dire qu'on fait du fait de promouvoir le message qu'il faut bien se nourrir, une militance. Tu vois ? C'est un peu obvious, quoi. On sait tous qu'il faut bien se nourrir. Et je crois qu'à partir du moment où on va... Je vois mal qui dans la rue je peux aller chercher et lui dire, tu sais... Vraiment, il m'écoute et tout, et je lui dis, bah, tu sais, l'esprit critique, c'est ça, on en a tous besoin. Je vois mal qui va aller me contredire derrière ça. Donc l'idée de faire une militance de l'esprit critique, je trouve que c'est pas ultra pertinent. Et en fait, on s'est tous rassemblés comme ça, et ce que moi j'observe, c'est qu'en fait, en se rassemblant autour des questions de l'esprit critique et de la zététique, j'insiste, ces propos m'appartiennent, c'est pas les propos, voilà, c'est mon analyse perso, eh ben... Il y a les militances communes qui se sont regroupées et qui ont été un petit peu mélangées avec cette zététique. C'est-à-dire la zététique, elle peut servir à traiter ta militance. J'en ai parlé chez Le Foilier qui, lui, est très intéressé sur le féminisme. La zététique, elle est vachement utile parce que tu vas pouvoir vérifier les informations sur lesquelles se base ta militance, tu vas pouvoir avoir des curseurs, tu vois, des probabilités, là je suis plutôt dans le juste, là je suis plutôt ceci, évaluer les infos qui te viennent, etc. Mais à un moment donné, je pense qu'on a mélangé, on a essayé presque de... Il y a eu une espèce de mouvement que j'ai vu apparaître comme ça, où on s'est demandé, au début c'était, est-ce qu'on peut faire une espèce de science de la morale avec la zététique ? C'était des questions qui se posaient, tu vois, un peu entre tout le monde, il y a vers 2016, je dirais, un truc comme ça. Puis c'est devenu, est-ce qu'on peut voir si la zététique est plutôt de gauche ou plutôt de droite ? Et puis il y a eu beaucoup de contenu là-dessus. Et puis ça a été, est-ce que le conspirationnisme est plutôt de gauche, de droite ? Et en fait, il y a eu une espèce de truc, de culture, de tout ça, de la militance... des gens qui s'intéressent à la zététique, pas la militance de la zététique, la militance des gens qui s'intéressent à la zététique. Et je pense que ce qui a émergé, c'est un peu cet avis commun, des idées plutôt à gauche. Et alors à ce moment-là, bah, qu'est-ce qui se passe ? Bah, t'as des effets de groupe. On va parler de tout ça, parce que tu, finalement, c'est exactement le sujet dont j'aimerais développer point par point. Donc, comme tu l'as dit... C'est pas un argument d'autorité, c'est un fait. Cela fait plus de 8 ans à peu près que tu es sur YouTube, que tu as commencé à faire des... Ça fera 9 ans en juin. 9 ans, donc tu fais des vidéos sceptiques, que tu es dans la communauté sceptique. Avec l'expérience que tu as eue, quel bilan fais-tu de la communauté sceptique ? Comment analyses-tu l'évolution de cette communauté ? Pour faire une métaphore, je pense que là, elle est dans une espèce de crise d'adolescence. C'est-à-dire, il y a eu une espèce d'âge d'or, comme ça, très, très innocent. Période Grimaud, quoi. Ouais, c'est ça, voilà, l'âge d'or, tu vois. Bon, alors, je fais l'historique de la zététique youtubienne, hein, on va dire, oui, à partir bien de sûr, 2015. On parle pas de l'observatoire. Sinon, j'en mange que Aristote, hein, si tu veux, il n'y a pas oui, de problème. Bien sûr. Mais le bilan de tout ça, je pense qu'on voilà, on a eu une espèce d'âge assez unifié, assez simple, où tout était très simple. Et d'ailleurs, on balançait de la merde hein, dans nos contenus, on était très popérien, voilà, c'était carré, la science c'est comme ça, et c'est super efficace, et c'est presque parfait, enfin tu vois, c'était un peu le discours qui était très scientiste qui ressortait, on nous l'a beaucoup reproché, à raison, on s'est corrigé, et puis alors on a commencé à essayer de comprendre des nuances, des machins, et puis là les conflits se sont installés, et puis poup, là il y a une espèce de crise d'adolescence, où, enfin j'appelle ça une crise d'adolescence, parce qu'il y a, si tu veux, il y a une... J'ai l'impression que ce qui préoccupe tout le monde, quel que soit le bord en ce moment, l'obsession des gens quand je leur parle, c'est dans quel camp tu es, tu vois. Camp politique, tu veux dire ? Camp tout court, quoi. Tout court, quel groupe, quoi, tu vois. C'est qui tes copains, à qui tu te revendiques, machin. Et moi, je supporte pas ça. J'aime bien le côté tribal, tu vois. J'ai ma petite tribu de potes, des gens avec qui je préfère parler, etc. C'est normal. Mais que ça commence à être un indice prioritaire pour savoir que penser d'une personne, ça me pose problème.
Et aujourd'hui, c'est vraiment ça. On va probablement parler des M. Les M ont fait beaucoup de mal, stricto sensu, ils ont fait beaucoup de mal aux gens, bon, ils m'ont fait souffrir. Mais si quelqu'un me dit, si je parle à quelqu'un et que je vois qu'il est Zem, mon travail, ça va être de me dire, bon, calme-toi, il est Zem, mais c'est pas pour ça qu'il est comme les pires Zem à qui tu as eu affaire. Et si tu veux ce travail, j'ai l'impression que personne ne le fait. J'ai l'impression que tout le monde s'intéresse juste à avoir sa petite équipe de foot, essayer de faire en sorte que ce soit elle qui gagne, et de dire que tous les autres sont des méchants. Et ça pour moi, c'est la cour de récré. Et c'est une des raisons qui ont fait que j'ai quitté cet aspect communautaire, c'est qu'il n'y avait plus que ça. Il n'y avait plus que un tel est comme ceci, et lui c'est un connard parce que... Et je sais, parce que je pose les questions à des gens qui sont plutôt discrets et qui ont les pieds dans plusieurs groupes, des gens importants dans la communauté, un qui se reconnaîtra, je sais que c'est la même chose dans presque tous les groupes en fait. Et chacun a le même schéma, il y a ces gentils, ces méchants, ces vedettes incomprises, et lui en fait il n'est pas agressif, il est ceci. Ils ont leur astronogique, ils ont leur Thomas Durand, tout le monde a ça se reproduit. Ça me fait penser à une expérience qu'il y a eu avec des rats. Alors, c'est de mémoire et ça date de l'époque où je n'étais pas encore sceptique, donc je ne sais pas la valeur de cette expérience. Mais en gros, il faudrait vérifier, mais ça dit que si tu prends un groupe de rats, il va y avoir une organisation avec des castes et des hiérarchies, des machins. Et si tu divises ce groupe en deux, eh ben, le même schéma va se reproduire, en fait, dans les deux groupes. Des rats qui étaient pas dominants vont se mettre à devenir dominants pour avoir la même proportion de trucs. Ce que tu veux dire, c'est que tu as constaté qu'en fait, il y avait une espèce de tribalisation, communautarisation, ouais. Il y avait des petits groupes. Et qui est sans rapport avec la militance. Et c'est ça qui me vexe terriblement, c'est que tout ça est mis en mouvement au nom de la militance du groupe, mais c'est la même chose partout. Tu sais, c'est cette image de, comment il s'appelle, Tom Gold, je crois, tu sais, la vallée avec la rivière au milieu, puis t'as le château, notre terre sainte, leur terre barbare, nos proches chevaliers, leur sanguinaire barbare. Donc là, tu es en train de parler du fait qu'au sein... De la communauté sceptique francophone, tu as observé qu'il y avait une division qui se fait entre à cause de militants qui ne sont pas la zététique. D'accord. Donc c'est donc en fait l'introduction d'éléments militants idéologiques politiques a généré des scissions et des conflits. Totalement. Du fait qu'on utilise en fait les valeurs morales comme proxy d'évaluation qualitative. On rend la zététique prescriptive en fait. Exactement. Oui. Et c'est ça. Alors en même temps, il faut le faire. Tu vois. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où ta propre prescription, qui contient toujours un nombre d'incertitudes, et en tant que zététicien, tu es censé rester souple sur tes convictions, sur tes etc. Et en fait, les gens les utilisent avec une certitude crasse, tu vois, vraiment un truc en béton comme ça. Il y a cet aspect-là du bilan, de comment ça évolue en interne, mais on peut aussi réfléchir au bilan en termes d'impact du travail des zététiciens de cette communauté et de l'objectif qu'elle s'est donné. Puisque l'objectif des youtubeurs ou sceptiques, en tout cas, l'objectif de gens qui produisent des contenus sceptiques sur YouTube et ailleurs, c'est de diffuser, c'est de lutter contre des fausses informations, contre des théories fausses, contre de la mauvaise information. Est-ce que, de ce point de vue-là, ce travail-là, est-ce qu'il s'est amélioré dans le temps? Est-ce qu'il a impacté pour toi? Il a été impactant pour la société public à ma petite échelle, je reçois encore, je veux dire quoi, une fois par mois, une fois tous les deux mois, un mail énorme de quelqu'un qui me dit « Oh merci, grâce à vos contenus, j'ai pu sortir de telle secte, j'ai pu ceci, cela ». Ma compagne actuelle, c'est ce coup-là en fait, elle a vu mes vidéos, elle a pu sortir d'une secte. Donc, tu d'une vois, secte, carrément. D'une secte, oui. Et c'est pas rare ça. D'accord. Tu vois, une chaîne comme la Tronche en Biais, tant qu'elle est en ligne, elle génère ça. D'accord. Une chaîne comme la mienne, pareil, tous nos contenus génèrent ça. Il y a des vues, donc il y a des gens qui, voilà, c'est statistique, répartition dans la population, il y a des gens qui sortent de trucs. Ça va loin, ça va jusqu'à, j'ai reçu une fois, tu as aidé ma sœur à arrêter ses envies de suicide parce qu'elle croyait en l'au-delà. Mm-hmm. Tu vois, des trucs comme ça. On n'a pas une réelle idée de l'impact qu'on a, mais l'impact est conséquent. Ça, j'en suis sûr. Et il est positif, globalement. Il y a un storytelling actuel qui est négatif et qui fait guerre politique, machin, tout ce que tu veux. Mais ce storytelling-là, il concerne
500 personnes, c'est... maximum, tu vois. C'est pour ça que je mets en avant cet aspect-là, parce que, à mon avis, parce que des fois on me demande pourquoi m'identifier ou pourquoi vouloir être sceptique ou à quoi ça rime, mais parce que fondamentalement, hein, le scepticisme et la zététique est bien plus bénéfique bien que sûr. Tout ce qu'il y a du simple fait de la nécessité de respecter les règles de la méthode scientifique, de la source, etc. Et savoir faire la... Enfin, c'est 1 000 milliards de trucs, en fait. Arrêter de faire des confusions entre nos préjugés et nos connaissances, c'est intégrer des quotients de certitude, des quotients de conviction dans les choses qu'on dit, c'est la prudence épistémique, c'est tout plein de choses, en fait. C'est une autre façon de s'exprimer, c'est une autre façon de prendre l'information qui est plus prudente et plus raisonnable. Et je pense qu'elle appartient aux humains tout court. Elle appartient pas à un mouvement, une idée, une idéologie, un machin. T'es un humain, t'as un cerveau, tu penses, t'as besoin de savoir que ton cerveau, il a telle faille, tel machin. Et si tu penses comme ceci, ça va t'aider à mieux matcher tes prévisions, à mieux réussir tes prévisions sur. Est-ce que tu penses que les nouvelles générations qui sont sur les réseaux sociaux sont touchées par cette culture, ou est-ce que cette culture reste quand même un peu autour d'une seule génération, ou est-ce que la zététique arrive, ou la culture de l'esprit critique? Parce que des fois j'ai l'impression que ça se diffuse au sein de la population lambda, où ça, c'est culturellement, on sait que ça existe, et puis culturellement les gens peuvent s'y référer en partie. Je veux dire que je vais prendre un exemple très concret. Il y avait une série, c'est un sketch avec Jonathan Cohen, je crois. Ils font un sketch où ils parodient Koh-Lanta. Et un des personnages est un complotiste. En fait, c'est une émission télé française. Koh-Lanta, je sais pas si tu connais. Ah oui, je connais, ouais. Et donc, en fait, là, il y a une émission et il y a des humoristes qui ont parodié cette émission. Mm-hmm. Et un des candidats de ce Koh-Lanta, qui est une parodie, est un complotiste, en fait. Et en fait, ce qui, moi, m'a frappé, c'est que je me suis dit, mais en fait, pour qu'il soit un personnage caricaturé, c'est-à-dire que ce personnage du complotiste est connu par la population. Exactement. Donc c'est-à-dire qu'il fait rire. Quand on lui pose une question, il dit « oui, mais il joue sur des stéréotypes du complotiste paranoïaque » et qu'il y a un ressort humoristique. Donc, c'est-à-dire qu'on attend que le public se mette à rire, c'est-à-dire que le public a les codes. Donc il les connaît, il sait que c'est de la connerie, cette façon d'être, cette façon de voir, cette façon d'être suspicieux autour de... etc. Et moi, en fait, ça m'a frappé parce que je me suis dit les gens sont quand même assez conscients de... ou en tout cas ont une vague conscience de l'existence de cette façon de penser, du complotisme. Là, il faut refaire l'historique de l'imagerie populaire du complotiste, si tu veux. Vrai qu'on c'est un truc qui était connu. C'était pas inconnu du public. Hein. Tu sais, dans les films, il y avait toujours le complotiste qui machin. Tu sais, dans les films. Sauf que là, il est ridiculisé. Il était ridiculisé, etc. Et puis, moi, quand j'étais complotiste, faut le savoir, j'étais complotiste jusqu'en 2013, un truc du genre. Quand j'étais là-dedans, c'était pas connu. C'était pas du tout connu. C'était des petits forums obscurs. Quand j'en parlais aux gens, les gens me disaient « Ah bon, il y a ça ?» Oui. Et ça a commencé à venir, curieusement, en même temps que la zététique. On va dire que c'est réaction immunologique, je sais pas quoi. et puis effectivement, les deux ont progressé dans l'imagerie populaire. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, le complotiste est plus connu que le zététicien. Hein, ça, c'est certain. Mais son image s'est transformée. C'est plus le mec isolé, tu vois. C'est le mec sur les réseaux avec une communauté, maintenant. Je suis d'accord. Mais il y a aussi cet aspect où les gens ont conscience du ridicule. Enfin, j'ai l'impression. Parce que quand on regarde surtout le cinéma, où les théories du complot sont des scénarios, c'est vraiment le cinéma, je ne me rendais pas compte, c'est en vieillissant, je me rends compte à quel point des films sont vecteurs de scénarios complotistes, que ce soit X-Files ou d'autres, des complots d'État, de sous-État. En fait, il y a vraiment une culture du complotisme dans le cinéma qui est en fait affligeante, qui valide tout un ensemble de scénarios. Mais c'est obligatoire, en fait, quand tu sais comment est fait le cinéma, c'est obligatoire. Le cinéma, c'est le complotisme autorisé, en fait. Quand tu racontes un scénario, t'es obligé... Si tu veux, dans un film, et ça a beaucoup participé au biais des gens, dans un film, tu mets absolument tout ce qu'il faut pour comprendre un propos. Et rien n'est laissé au hasard. En tout cas, dans un film bien fait. Tout a un sens, tout a une raison, chaque choix a une raison, chaque choix est là pour exprimer un aspect du propos du film. Et donc, en fait, forcément, t'es obligé
de simplifier tous ces aspects. Donc tu caricatures, tu as des clichés, tu as des archétypes qu'on dit même dans l'écriture scénario. Et donc, en fait, tu balances de la simplification tout le temps dans le cinéma. X-Files, si tu veux raconter X-Files, tu fais l'homme à la cigarette, tu fais pas la CIA, la NSA avec tel dirigeant qui en fait après s'est fait remplacer par un autre et machin. Justement, mais c'est pas ça. Est-ce que le cinéma, la culture cinéma n'est pas un vecteur de diffusion de pensée complotiste? Totalement, parce qu'après les gens ils cherchent quoi? Ils cherchent l'homme à la cigarette. Mais oui. Ils cherchent pas le cabinet machin. Mais c'est pourquoi je te pose la question, parce que tu as un pied dans le scepticisme et dans le cinéma, du fait que tu seras un patron d'une société de production, que tu travailles dans le cinéma. Et c'était une chose qui m'avait frappé en écoutant tes entretiens. Je me suis dit, mais en fait, si on regarde bien la culture cinématographique dans énormément de films, c'est un vecteur de culture complotiste. Totalement, oui. Et j'aimerais, justement, c'est alors, une idée. Alors, elle s'inspire du complotisme, elle nourrit le complotisme. Exactement, parce que moi, je me souviens de complotistes qui sortaient, regardez ce film, le réalisateur parle avec nous. En fait, ils dialoguent avec ceux qui ont conscience des vrais enjeux politiques qui se cachent derrière blablabla. Bla 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 bla. Moi, en 2003, en sortant de Harry Potter 2, j'étais persuadé que les Illuminati venaient de révéler leur grand plan de fin du monde. Littéralement. Ah, ça choque, hein, je sais. Ouais. Non, mais moi, pour le complotiste, j'ai tellement entendu que... Mais c'est comme... Sauf que moi, je me dis, mais est-ce que je surestime l'impact du cinéma sur la culture du complotisme? Est-ce que beaucoup, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de complotistes. Combien de fois j'ai pu entendre un complotiste ou lire un complotiste qui se réfère à un film en disant, regarde ce film-là, tu auras tous les codes, t'inquiète pas. Et moi, je dis, mais c'est juste un film, mon gars. Et il dit, non, mais pour toi, pour les gens, là, les moutons, mais pour ceux qui savent. Ouais, pour ceux qui savent. Ceux qui savent lire entre les scénarios, bien nous. Bien sûr. Mais je l'ai eu pour je sais pas combien de films. J'ai un petit mantra zététique très simple. Plus ça ressemble à une fiction d'Hollywood, plus ça a des chances d'en être une. Voilà. Tu crois que Adolf Hitler sur la Lune avec des dinosaures, c'est peu probable. C'est zététiquement. Je veux dire, alors là, mon raisonnement bayésien, il est à 0,0001. Alors ça, c'est la chance de se cracher en avion. 0, 0. J'en rajoutais 3-4 euros derrière. Mais je sais pas combien il y a de films. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est navrant, en fait. Le film est complètement con, quoi. Les films sont stupides, en fait. Mmh, bien sûr. Mais comment tu fais, toi, à la fois. Alors, si, très bien, tu dis ça. Mais si je te dis, OK. T'as le budget, on va faire un film extraordinaire, on va parler de politique. Donc voilà, il y a une application autour du 11 septembre, il faut faire un film, on va expliquer au public, etc. T'as la voie de la facilité, et tu connais des productions cinématographiques qui respectent juste la factualité, qui racontent une histoire et qui arrivent à ne pas bullshitter le public? Non, et c'est impossible en fait. Impossible. Oui, c'est impossible. Moi, d'ailleurs, de toute façon, à partir du moment où on parle d'information, j'aime pas l'idée qu'il puisse y en avoir de la vraie et de la fausse. Pour moi, toutes les infos, la question que je me pose, c'est à quel point elle est fausse. D'où qu'elle vienne. C'est forcément dit par quelqu'un, passé par le filtre d'un cerveau, etc., etc. Il y a toujours une part de faux. Moi, je suis un peu nihiliste sur les bords. J'accepte, si tu veux, le merdier dans lequel on est. Et ça ne me dérange pas que les films nourrissent le complotisme. Ah bon ? Parce qu'ils ne font pas que ça, les films. Déjà, ils nourrissent des familles. Oui. Ça, c'est important. C'est la première des choses. C'est un métier super éprouvant. Donc, respect total à tout ça. Ils nourrissent la culture populaire. Ils nourrissent des idéaux qui sont assez beaux. Bien sûr, dans les films, les gens sont pas des sous-merdes, tu vois. Bien sûr. On a une espèce de volonté en tant qu'espèce comme ça de présenter des modèles humains, tu vois, qui n'existent pas. Hein. On sait bien que dans la réalité, on les croise pas, les héros, les machins. Mais on a une espèce d'envie de montrer ce qu'on a de meilleur en nous. Et le cinéma, il est là pour ça aussi. Et de toute façon, le cinéma, c'est juste un moyen d'expression. C'est un média comme la musique, comme la peinture, et il sert à exprimer certaines idées d'une façon très impactante, tout comme en musique, si tu veux faire ressentir certaines émotions, il n'y a que la musique qui pourra le faire, pour le cinéma, c'est pareil, tu vois. Donc pour moi, il est neutre, c'est ce qu'on en fait qui est important, et ce qu'on en fait, ce sera forcément du bullshit, forcément. Ce qui est important, c'est de savoir à quel point, et qu'est-ce que le film me sert comme propos. D'accord. C'est pour ça, moi, je reviens toujours sur le propos du film quand on fait bien son boulot.
ce qui est pas toujours le cas, qui est rarement le cas, même sur les super grosses prods. Oui, parce que j'ai vu dans tes échanges sur Twitter où tu critiquais des productions cinématographiques ou des dessins comme La Petite Sirène ou d'autres productions qui vont introduire un personnage afro-américain ou un couple LGBT. Mmh. Et toi, tu critiquais, tu critiquais en disant, ou tu posais la question du sens. Oui. De l'usage de ces personnages. Évidemment, on t'est tombé dessus parce qu'on disait en gros, en fait, mais c'est des gens qui connaissent pas l'écriture de scénario, qui connaissent pas les productions cinéma, qui savent pas comment on fait un bon film, comment on fait un bon produit, qui me tombent dessus en me disant, mais enfin, que ce soit un couple hétéro ou un couple homo, ça ne change rien. Mmh. Mais bien sûr que ça change rien, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand on fait bien son travail, comme je le dis, tout a un sens. Et ce sens, il n'est pas forcément lié à la première idée. Quand on fait bien son travail, on évacue même la première idée qui nous passe par la tête sur comment bien raconter son personnage. Comme je disais, si je raconte une histoire d'amour et que mon propos, c'est l'histoire d'amour et les difficultés que peut avoir une histoire d'amour, si je fais un couple hétéro standard, je ne vais pas raconter la même chose qu'un couple gay dans une famille musulmane, par exemple. Je vais raconter d'autres tensions, je vais raconter d'autres trucs sur la société. Toi, tu dis qu'en fait, les couples gays sont une espèce de transposition d'un couple hétéro. Je dis juste dans les films, je veux dire, dans la production que tu critiques. Dans une production, si on veut placer des personnages qui sont hétéro et homo et qui sont interchangeables, alors c'est décidé comme étant interchangeable parce que cette interchangeabilité sert le scénario, sert le propos du film. Ici, ce qu'on observe, c'est qu'on fait de l'interchangeabilité, mais pas pour servir le propos du film, pour servir un discours extra-diégétique, comme on dit, qui concerne non pas le propos du film, mais l'éthique du producteur, ou l'éthique cinéma de la maison de production, ou ceci, cela. C'est pas ça, le cinéma. D'accord. Le cinéma, ça raconte des choses de son auteur, mais quand un producteur, et c'est ce que j'ai illustré sur Twitter, quand un producteur choisit une superstar par exemple Tilda Swinton pour incarner dans Doctor Strange la prêtre, je ne sais plus comment ça s'appelle, alors que normalement c'est un personnage masculin, etc. Le producteur, il le fait pour une mauvaise raison, il le fait pour le fric. Mm. Il le fait parce qu'il lui faut un gros nom. Mm. Je ne parle pas du changement de sexe, hein, je parle du fait de prendre cette star-là pour la mettre. Le producteur, il a ça en tête. Les producteurs, ils sont à la recherche de la recette. C'est le show business, ce truc, hein, le cinéma, c'est show business. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie show, qui se fait gangréner par la partie business. Et cette histoire de changement de couleur de peau de la petite sirène, tous les trucs qu'on a eu récemment, ne servent pas la partie show. Ils racontent des trucs qui blanchissent la partie business. Et ça, c'est pas faire du bon travail pour moi. D'accord. Et je suis pas d'accord qu'au nom de lutte que je valide. Moi, je suis pour, tu vois, la diversité, tous ces trucs-là, mais je suis pas d'accord qu'au nom de ça, on vienne mettre les pieds dans le métier d'écriture de scénario et qu'on me dise comment moi je dois faire mon métier, tu vois. Ça me va pas. J'avais remarqué que les insultes que tu te prenais et les procès qu'on te faisait, parce qu'en fait, on sous-entendait que ce qui te dérangeait en soi, c'est la couleur de peau. Et ça revient sur la question que je voulais te poser, finalement, de ce que j'ai constaté aussi, mais pas que toi. Mais tu en as parlé, tu as témoigné du harcèlement que tu as subi de la part de militants d'extrême gauche, ou en tout cas de gens qui se considèrent comme tels, qui se considèrent légitimes pour te harceler, te calomnier. Qui considèrent que le harcèlement est légitime. Oui, tout ça au nom du bien. Mmh. Ça, c'est pratique. Mais après, ça correspond bien à leurs idéologies politiques, hein, puisque c'est au nom du bien que, au final, le communisme, c'est au nom du bien. Mais bon, malheureusement, ça génère des horreurs, mais c'est un accident de parcours. Moi, j'aimerais concrètement savoir qui sont ces harceleurs. En fait, pour être clair, s'agit-il de sceptiques qui sont devenus des militants, ou est-ce que ce sont des militants qui sont rentrés dans le milieu sceptique et qui usent et qui, depuis, tentent d'établir ce rapport de force. Qui sont ceux qui te harcèlent comme ça et qui se mettent à te détester pour la moindre prise de parole ? Eh ben, c'est de nouveau, comme dans tous les mouvements de groupe, malheureusement, c'est ceux qui font le plus de bruit, qui sont le plus agressifs, etc., qui vont incarner la prise de parole. Ça, c'est très dommage. On a vu ça pour Zeb, on voit ça pour la zététique aussi. Malheureusement, c'est les dramas, c'est ces trucs-là qui vont
voilà, qui vont soudainement presque subtiliser une militance ou quoi. Moi, j'ai des gars d'extrême gauche qui m'écrivent en me disant écoute, je suis d'extrême gauche, mais franchement, je cautionne pas du tout l'attitude de ces gens, tu vois. Donc je peux pas le dire que c'est les gens d'extrême gauche, mais c'est des gens d'extrême gauche. J'ai précisé dans la question, qui sont tes harceleurs qui, eux, s'identifient à c'est des ça, idéologies voilà. d'extrême gauche. Bah, il faut j'ai bien pas préciser. Dit, j'ai pas dit l'extrême gauche te harcèle, voilà. J'ai dit les harceleurs. Moi, dans le groupe des harceleurs, il s'avère que ces gens se revendiquent d'une idéologie d'extrême gauche. D'ailleurs, c'est je vais ça. Lire un passage précis de leur revendication d'un des groupes qui les aime, je le lirai plus tard, mais ils le disent clairement, qu'ils adhèrent à ces idéologies. Je j'invente pas. Je source, je vais ah le citer précisément. Donc j'essaie pas de faire un procès. C'est pas nébuleux pour le coup. Donc là, il y a. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est mais qui sont ces harceleurs? D'où viennent-ils? Sont-ils des sceptiques qui sont devenus, qui ont été politisés? Est-ce que c'est des sceptiques qui te harcèlent? Est-ce que c'est que des militants qui... Alors. C'est très difficile parce qu'ici on est sur une réponse plutôt orientée a priori et préjugée de ma part, parce que ça concerne que mon vécu, que comment moi j'ai pris les choses, mais peut-être si on prend plus de hauteur, en fait c'est pas ça, en fait c'est autre chose. Mais je remarque, pour les renseignements que j'ai pris sur les gens qui me harcèlent, qui se cachent beaucoup, qui ont beaucoup de méthodes pour se dissimuler sur Internet, etc., mais c'est des méthodes qui ne marchent pas bien. Qu'en fait, ça, c'est beaucoup des courants universitaires, très liés à la sociologie, en tout cas à une certaine lecture de la sociologie, parce que c'est les sociologies, on devrait dire, et qui utilisent de nouveau un ensemble de publications sélectionnées, publications scientifiques, pour les rendre prescriptives. C'est-à-dire, ils disent, voilà, on observe tel mouvement, telle force dans les luttes sociales, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça notamment qu'ils justifient leur agressivité, ils remarquent que l'agressivité est efficace, donc je peux être agressif si je veux être efficace. Tu vois, ça, c'est aussi con que ça. Et donc, ces gens, d'accord. qui sont relativement jeunes avec ça, il faut aussi respecter ça, sans vouloir faire du... Voilà. Mais voilà, on sent qu'il y a une fougue qui est très, très jeune. ces gens-là ont une espèce d'ensemble de circonstances, l'anonymat, la justification scientifique, l'idéologie reconnue comme la bonne, la seule, qui les met dans un état d'esprit où la meilleure chose à faire, c'est pourrir la vie de leurs adversaires politiques par tous les moyens possibles et imaginables. Non mais pourrir la vie. Donc toi, concrètement, ils ont tenté de pourrir ta vie ? Bien sûr. D'accord. Alors pas les M, pas l'extrême gauche, mais certaines personnes chez les M, certaines personnes à l'extrême gauche. D'accord. Oui, est-ce que des gens d'extrême droite t'ont pourri la vie ? Ou des gens complotistes ont réussi à te pourrir la vie ? Si j'avais été dans ces eaux-là, certainement que ce serait arrivé. Mais il se trouve que j'étais dans ce groupe avec des gens d'extrême gauche, et donc c'est les gens d'extrême gauche qui sont venus me faire chier. D'accord. Je n'ai pas de relation avec l'extrême droite, je n'en ai pas, j'en connais pas. Parce que quand enfin, on lit si je connais une ou deux personnes à qui je parle en privé, pardon. Quand on lit les M, tu fréquentes énormément l'extrême droite. T'es vraiment oui, toi, bah non, Thomas Durand. Ça a été démontré d'ailleurs par les liens Twitter et les machins. Oui, il y a des liens, des comptes, des retweets, des likes. Il y a zéro lien avec l'extrême droite. Encore faut-il définir ce qu'est l'extrême droite, ce qu'est ceci, cela. Il y en a, ils parlent d'autoritarisme de droite. Et puis alors les petits suiveurs, ils disent c'est l'extrême droite. Enfin bon, blablabla. Bla, bla, bla. Je crois que l'extrême droite commence à partir de Mélenchon. Après Mélenchon, c'est l'extrême pour droite. Pour Zem, c'est Mélenchon, c'est ce qui est plus à droite. Je crois que c'est ça qu'ils disent. C'est ça qu'ils disent, ouais. Je vais le lire parce que bon, c'est drôle. Ils veulent, quoi. Ça fait toujours un rire, ce truc. Ouais. Dans un entretien, tu as dit, je vais rester sur cette thématique, il y a une dominance, alors je l'ai peut-être mal repris, mais globalement c'était ça, il y a une dominance à gauche dans ce milieu-là, tu parles du milieu sceptique, et même extrême gauche, une surreprésentation. Et j'en ai bavé à cause des premiers, à cause des pensées de l'extrême gauche. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Pourquoi tu en as bavé? Ben parce qu'ils m'ont harcelé terriblement. Ils en sont pas conscients parce qu'ils sont chacun dans leur petite bulle de filtre. Ils n'ont pas une vue d'ensemble de ce que moi je me D'accord. prends. Mais ça a été extrêmement violent. J'ai eu des messages en privé, des gens
au moment de ma rupture, qui m'ont dit des trucs, tu vois, des... Mais quel lien avec... Pourquoi tu précises extrême-gauche, la pensée d'extrême-gauche? Bah parce qu'ils s'en revendiquent, qu'est-ce que je dise? Moi, moi j'y peux rien, moi, c'est eux qui se disent... qui disent des trucs, enfin, c'est les radicaux en fait. C'est le comportement radical, c'est pas la gauche, hein. C'est le comportement radical fondé sur la gauche. C'est ce côté, ok, moi j'ai la pensée juste, donc tout m'est permis. Et ils partent en roue libre et ils agressent à mort. Mais ça aurait pu être la droite, hein, de nouveau, ça aurait pu être le centre, ça aurait pu être. C'est possible. Ça aurait pu être les cuisiniers, ça aurait pu être les geeks de Dragon Ball, ça aurait pu être ce que tu veux. C'est le comportement radical qui est anti-zététique par excellence. Et qui a gangréné la zététique. C'est un comportement radical. Parce que, dans le développement de la réflexion, à un moment donné, il y en a qui se sont dit « Mais ma militance politique prime, en fait. Je ne peux pas faire autrement que m'en départir, j'en aurai toujours une, donc je vais l'assumer. » Et en fait, par une espèce d'effet bizarre, non seulement ils l'ont assumé, mais ils ont comme brisé tous les verrous en partant dans un radicalisme de leur truc, quoi, tu vois, sans rester souple, sans rester ouvert. Bah, moi, je propose de lire un des groupes, il s'appelle Zem, de lire leur présentation, et ensuite tu pourras nous dire qui ils sont. Donc, Zem, c'est déjà ces zététiques, métacritiques, non, c'est pas ça? Ouais, zététique et métacritique. Zététique et métacritique. C'était très prometteur. Alors moi je sais pas si c'était prometteur hein, parce que quand on lit leur présentation hein, c'est dans leur... Alors ça c'est l'extrait, j'ai copié-collé leur sur leur site et donc ils ont le onglet présentation et donc voilà, je lis la présentation. Donc c'est ce qui est écrit. Afin d'être clair et transparent sur notre propre positionnement idéologique. Nous identifions tout point tout ça là à divers courants de gauche radicale. Les plus à droite d'entre nous sont affiliés à la France insoumise. Waouh, mes cocos, vous êtes chauds, hein. Mais sont numériquement en large infériorité. Donc voilà, ouais, c'est des guerriers tous. Nous sommes anticapitalistes, anarchistes, marxistes ou communistes et en majorité révolutionnaires. Bah, moi, ce que j'entends, c'est nous ne sommes pas souples sur nos idées politiques. Nous sommes très arrêtés sur ce que nous pensons. Et voilà. Et moi, à partir de là, je peux pas. Pourquoi as-tu pensé à un moment donné qu'ils auraient pu être bénéfiques au milieu sceptique alors qu'ils se définissent ainsi? Alors moi, j'ai découvert cette définition après avoir découvert leur contenu. Leur contenu était intéressant. Il y avait une critique du scientisme de la zététique. Ah, d'accord. Enfin, pour faire un résumé, hein, le scientisme. Mais il y avait une critique des tu sais, les choses qu'on a un peu mal dites, l'échelle des preuves, tous ces trucs-là, on a fait un peu des caricatures, on a un peu trop simplifié la mise en avant des biais cognitifs en oubliant les biais contextuels, les biais statistiques, les biais de toutes sortes. Tu vois, on a vulgarisé, on a trop vulgarisé, moi je dis toujours vulgariser, c'est sacrifier de la précision sur l'autel d'efficacité, on a trop vulgarisé. Et on n'a pas été assez précis. Et ces gens sont arrivés avec un cursus universitaire solide, des gens de qualité. Hein. Il y a parmi les M, il y a des gens avec qui je discute, qui ont un dialogue que je trouve de qualité, parce que ouvert, parce que souple, etc. Ils sont pas tous comme ça. Ils m'ont aidé d'ailleurs à corriger les scripts de ma série Méthode Z, parce qu'à un moment donné, moi, ils critiquaient, ils se plaignaient de trucs. Je dis, je vais vous envoyer mes scripts. Et ça s'est super bien passé. Mes scripts ont été corrigés sans. Donc vous avez réussi à travailler. Toi ouais. Et les M ont réussi bien à sûr, travailler. Bien sûr. Totalement. Donc qu'est-ce qui n'allait pas alors? Bah on n'était plus sur scène à ce moment-là. On n'était plus sur le théâtre Twitter. On n'était plus dans les luttes machin, tu vois. Et donc en fait il y avait plus besoin de venir avec de l'agressivité, je suppose, puisque j'étais là à présenter des textes et à dire allez-y, dites-moi ce qui va pas dans mes textes et on va les corriger. Et ils l'ont fait. Et quand il y avait des trucs qui étaient idéologiques, ils ont émis une prudence, mais exemplaire. Tu vois, attention, parce que là, je dis juste ça, t'en fais ce que tu veux, mais ça, sache que là, tu vas choquer tel groupe de personnes. J'avais ça comme commentaire dans mon truc, poliment, tu vois, etc. Ton expérience est plutôt positive. Elle est ultra positive. Ça aurait pu très bien se passer. D'accord, c'est pour ça que tu le dis, en fait, que ça aurait pu être une excellente occasion. Parce qu'il y a de la pertinence dans ce qu'ils disent. Quand ils me critiquent, quand ils critiquent Thomas Durand, quand ils critiquent Astronogique, évidemment qu'il y a de la pertinence dans ce qu'ils disent.
Le problème, c'est qu'on peut pas, on n'est pas sur un discours constructif, en fait, avec les méthodes qui sont employées sur les réseaux sociaux et ces trucs-là. On n'est que sur du clivage, du renforcement tout azimut. On le sait, en plus, que chacun renforce sa chapelle avec la dissonance cognitive, que si on confronte les arguments, on ne fait qu'augmenter les contrastes. Mais si je comprends bien ce que tu dis, ça, il y avait une collaboration, il y avait une bonne entente. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les M, par exemple, et toi? Pourquoi il y a eu... Twitter. Un tweet qui a été mal compris, mal pris, mal exprimé, etc. Et puis ça fait des averses d'engueulades. Mais je dis des averses de mon côté, c'est dingue, quoi. C'est le téléphone qui notif pendant 3 jours, avec des insultes. De ceux-là même avec qui tu es arrivé à collaborer pour le travail sceptique. Alors les personnes en tant que telles, il y en a, si je me souviens, ils étaient 4 consultants. 2M sur les 5, je te dis ça de mémoire, j'ai une très mauvaise mémoire. Ouais, il y en a 2 là-dedans qui étaient déjà bloqués en plus, si je me souviens bien. Je les avais déjà bloqués au moment où ils ont quand même participé à la correction de mon texte. C'est drôle. Donc en fait. Donc c'est du cirque. C'est du cirque et ça ne sert à rien. Le bilan, il est zéro, le bilan de ces trucs-là. Il est pire que zéro. C'est une marche arrière, c'est du clivage, c'est des gens qui ne parlent plus que de drama, que de conflits, que de trucs. C'est devenu ça, les sujets. C'est pas du tout les fake news, les sujets. C'est pas du tout Idriss Aberkane ou les gourous ou tout ce que tu veux. Là, en ce moment, les sujets, c'est les dramas. C'est devenu que ça. Oui, j'ai constaté ça. Et je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, à savoir que tu as réussi quand même à travailler et à avoir une opportunité d'avoir. Est-ce que tu étais le seul d'ailleurs à avoir soumis tes scripts à évaluation par le groupe ZEM, ou il y a d'autres esthéticiens? À ma connaissance, je suis le seul, ouais. Mais à ma connaissance, on me dit en général, ah, t'es le seul qui est venu me demander, ah, t'es le seul qui a... Je suis désolé de le dire comme ça, hein, mais il y a pas grand monde qui fait vraiment de la zététique dans le milieu zététique. Et en plus, je le dis chez les méchants, donc c'est pas bien, tu vois. Je viens le dire chez ceux où on m'a toujours dit, ne va pas chez eux, attention. Donc... Qui ça? Il y a des méchants ici. C'est extraordinaire, hein. Cercle Cobalt, on allait en parler justement. Justement, tu es membre du scepticisme depuis des années, comme on l'a dit. Tu as participé à des groupes de discussion, tu fréquentes ce milieu. J'aimerais poser la question, quelle a été la réaction de ce milieu à l'avènement du cercle Cobalt? Bon, c'est un mot pompeux, avènement, faut pas déconner. Quand le cercle Cobalt est apparu, quelle était la réaction? Bah, c'est très simple. Alors, comme ça fonctionnait à l'époque, il y en a un ou deux qui ont dit à eux, il faut pas y aller parce qu'eux, ils ont telles idées. Et on s'est dit, ah, ils ont telles idées, bon, on n'y va pas, alors. Et comme on avait autre chose à faire, c'est moutonnier, c'est que c'est une économie de temps aussi. Si tu veux, à un moment donné, on se faisait tous très confiance, tu sais, dans cette espèce d'âge d'or, d'enfance dont je te parlais. Et donc, il y avait une espèce de culture commune de qui fait quoi, comment. Donc, en fait, c'est par pure confiance. Il y en a un, il a dit, c'est pas bon. Eux, ils pensent ça, ils disent ça, il faut pas y aller, voilà. Stop. Et tout le monde a suivi. Je sais pas pour les autres, mais pour moi, ça a été ça, oui. Mais parce que je faisais confiance à cette personne-là, parce que c'était elle qui était... Qui est cette personne? Ça, je dis pas. C'était une espèce de référente, si tu veux, une espèce d'exemple que je suivais. C'est une femme, déjà. Et... Non, une référence. Ah, j'ai entendu une référente, moi. Ah, je vais peut-être... Et donc... T'as enregistré, c'est bon. Je vais peut-être bafouiller, on s'en fout. Non, mais on s'en fout, je plaisante. Et si tu veux, à un moment donné, quand tu démarres dans ce truc-là, forcément, tu fais l'économie de ton temps. Tu te fies à... Je veux dire, c'était valable pour l'homéopathie, pourquoi ce serait pas valable pour le cercle Cobalt, tu vois? Parce que l'homéopathie, il n'y a pas d'économie sur l'homéopathie, il y a bien un travail sceptique qui est réalisé. Oui, qui a été fait. Qui a été fait et qui continue d'être fait. La pyramidologie aussi. Thomas Durand, encore récemment, il y a une mise en ligne d'une vidéo de la FIS sur la pyramidologie, où Thomas Durand réexplique qu'effectivement, les pyramides, ça ne génère pas des courants électriques et ça ne permet pas de s'envoler dans l'espace. Et il faut le rappeler. Et c'est très bien. Mais sauf que, qu'est-ce qui a été fait d'équivalent
en termes de critique, de, même si toi, ça te fait une économie. Parce du que, cercle cobalt, j'en sais rien. Je ne sais même pas ce que vous faites. J'en sais rien. Je n'ai jamais lu. Mais alors pourquoi articles. Avoir en public affirmé que c'était de la zététique d'extrême droite si tu ne sais pas ce que c'est? Parce que je me suis fait le relais de l'analyse d'autres personnes. Et je l'ai toujours dit, je me suis excusé récemment d'ailleurs d'avoir refait ce relais chez qui j'ai fait ça. Ou attends, c'était quoi? C'était, je me rappelle plus. Enfin, j'ai redit. J'ai un youtubeur, mais je sais plus comment il s'appelle. C'était pas chez. Il y avait un prof de sport, je crois, ou un coach. Ah, c'était chez Psycho, ouais. Ah, et donc j'ai répété ce que je pensais savoir. Mais ce que je pense savoir, c'est y a de la merde dedans. Forcément, je le sais. C'est, j'ai 80% de confiance en ce que je crois savoir. Donc, est-ce que... Alors, je sais pas, peut-être qu'effectivement, tu fais de la merde sur le cercle cobalt, ou vous faites de la merde sur le cercle cobalt. Peut-être, j'en sais rien. Mais si c'était le cas, est-ce que tu serais venu? Si nous étions en train de diffuser des fausses informations et qu'on travaille à... Je crois que je serais d'autant plus venu, si c'était le cas. Et comment, puisque tu n'évalues pas, si t'as pas fait le truc d'évaluation, comment si t'aurais pu... Si j'avais évalué et que je m'étais rendu compte que c'était... à mon évaluation de la merde, je serais d'autant plus venu pour parler des esthétiques, je pense. Alors qu'avant, c'était la démarche inverse. Mais tu sais, ce qui est drôle, c'est que j'aurais préféré que tu fasses cette évaluation. Mais j'ai pas le temps, j'ai une vie. Non, mais d'accord, mais je veux dire, voyons, moi j'ai pris le temps de regarder ce que t'as fait et des entretiens. Encore moi, il y a le site, il y a les articles, ça se lit. Et puis surtout, un article... on va vers les sources. Hein. Il y a les sources directement en lien. Vous cliquez sur les sources et vous voyez tout de suite à quoi on a affaire. Si c'est du PhD ou si c'est bloc conspi.com. Donc c'est pas si compliqué que ça. En termes, quand on a la bonne méthode, ça va vite. Mais je ne suis pas censé m'intéresser à toutes les choses qui sont zététifiables, si tu veux. Je disais ça. Je dis ça à tout le monde en fait. Hein. Mes sujets de prédilection, c'est pas mes sujets de prédilection. Ils sont assez simples en fait. C'est la méthode pure. Et puis après, c'est un peu le paranormal. Tu parles de ça. Avant de continuer de poursuivre l'entretien, nous pouvons nous mettre d'accord sur ce que nous entendons par un sceptique, un zététicien. Quelle définition proposes-tu? Comment identifies-tu un sceptique, un zététicien, d'une personne qui ne l'est pas? Donc, je reprends. Quelle définition proposes-tu? Alors, pour moi, un sceptique, c'est tout simplement un geek de l'esprit critique. C'est un geek, mais au lieu de s'intéresser à Star Wars, il va s'intéresser à Popper, ou il va s'intéresser à... je cite Popper comme ça, mais ça, il va s'intéresser à Henri Brock, il va s'intéresser à Tronchambier, il va s'intéresser à moi, pourquoi pas. Encore beaucoup plus sur le lointain, il va s'intéresser au sketch de Jérémy Ferrari sur l'homéopathie, tu vois. C'est juste quelqu'un qui va être passionné par ce truc des illusions du cerveau, du fait que l'intuition, ça marche pas très bien, etc. Comment s'en prémunir? C'est quelqu'un qui va être passionné par ces questions-là, un sceptique. C'est bizarre la définition que tu proposes, ouais. Je trouve. Pour moi, un sceptique ou un zététicien... Alors, zététicien, j'en donne encore une autre. Mais vas-y, continue, alors, tu continues. Zététicien, c'est un mot qui change de définition avec le temps. Oui, je sais, c'est assez drôle d'ailleurs, le premier... Le premier, je crois que c'est la Terre plate. La Terre plate, ouais. La société de la Terre plate. Dans le monde anglo-saxon, c'est pour ça qu'on n'utilise pas zététique. C'est un peu associé à qu'en France. Mais je te laisse, c'est assez ironique d'ailleurs, hein, je te laisse développer alors sur la zététique. Et puis après, Henri Brock en a donné une autre, nouvelle définition, qui était très orientée paranormale. Et puis, avec le temps, nous, sur YouTube, on en a fait un outil qui s'occupe beaucoup des pseudosciences. D'accord? Et puis maintenant, c'est en train de devenir un outil, la zététique. On peut dire en constatant que c'est quelque chose qui s'occupe beaucoup des questions de progressisme et de sociologie et des trucs comme ça. C'est une phase politique, une phase très politique assumée de la zététique. Et en plus de ça, depuis que je suis parti, entre guillemets, je le constatais, quand on se dit zététicien de quand on se dit sceptique, en gros... Ça définit à quel point on veut bien s'identifier au groupe qui est plutôt Tronchambier, ou au groupe qui est plutôt pas Tronchambier, en fait.
C'est un constat, c'est pas un truc que je veux, c'est un truc que je remarque. Quand on utilise ce mot-là, il y a des producteurs de contenu, ils font très clairement de la zététique, mais ils veulent pas qu'on les considère zététiciens. Il y en a, ils veulent même bien qu'on le dise qu'ils font de la zététique, mais pas qu'on emploie le mot zététicien. Il y en a qui assument le mot zététicien à fond. Toi, tu prends le mot zététicien pour toi. Psychodélique, même s'il le fait pour troller, il prend le mot zététicien pour lui. Et en fait, ce mot, ben voilà, il a des définitions au fur et à mesure du temps qui changent. Et en ce moment, bah, c'est un peu ça. Mon constat à moi, mon opinion, mon point de vue, avec mes bulles de filtre, c'est ça que je déduis. Je suis très étonné par les définitions que tu proposes, parce que pour moi, un sceptique, le scepticisme scientifique actuel et la zététique qui est finalement la concrétisation par l'activité comme le nouvel observatoire, comme l'observatoire de la zététique, à savoir appliqué sur des phénomènes paranormaux, la méthode scientifique, et le zététisme 2.0 sur YouTube, qui est de l'appliquer sur tout un ensemble de sujets, pyramidologie, homéopathie, etc., en utilisant les codes de YouTube. Mais avant tout, en fait, qu'est-ce qui définit un sceptique, le scepticisme ou la zététique? Bah, c'est comme si, pour faire comprendre, hein, je prends cet exemple, c'est comme si on me disait, mais comment on définit un joueur d'échecs? Un joueur d'échecs, c'est une personne qui joue aux échecs, cela signifie qui respecte les règles qu'implique ce jeu. Un sceptique, c'est une personne qui applique les règles. Non, c'est pas une bonne comparaison, malheureusement, parce que ce serait comme si la comparaison serait bonne si au jeu d'échecs on devait découvrir les règles pendant qu'on joue. Non, on ne découvre. Et c'est pas le cas. Il n'y a rien à découvrir. Le scepticisme, c'est un ensemble de règles si on est d'accord de les appliquer. Mais lesquelles? Et bah, où se trouvent-elles? Bah ce sont les règles issues de la méthode scientifique. Et elles sont où, ces règles? Bah c'est à l'université. Tu t'inscris en L1 philo, L1 philosophie des sciences, ça biologie, aussi, physique. Vrai. Bah c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. C'est l'histoire des sciences depuis Newton. Alors, excuse-moi hein, de le dire comme ça, de façon très péremptoire, mais c'est infiniment plus compliqué que ça. Je crois pas. Je crois pas que ce soit si compliqué que ça. À mon avis, je crois qu'il y a une complexification comme si c'était un truc incroyable. En fait, il y a une méthode. Attention. Je dis pas que c'est un truc incroyable. Je dis en revanche que c'est un truc subtil. Il n'y a pas une méthode, il y a une espèce de couleur, d'odeur dans des façons de faire qui sont jusqu'au boutiste. Essaye bien de me suivre. Pour moi, la méthode scientifique, c'est quoi? C'est pas un truc qu'on peut qualifier de méthode scientifique. Pour moi, la méthode scientifique, c'est une espèce de médaille, de trophée qu'on remet à la méthode qui, à l'instant T de l'histoire, s'est montrée la plus efficace pour permettre de faire des prédictions. Ça, c'est les méthodes scientifiques. Je pense que tu confonds le principe de ce qui est la règle de fonctionnement de la communauté scientifique avec les outils développés au cours de son histoire pour tester telle ou telle hypothèse dans telle ou telle discipline. Mais les outils, ils sont remplacés. Non, mais d'accord, mais en fait, ce qui fait la règle de la communauté scientifique, par exemple, c'est par exemple l'évaluation par les pairs. Qu'est-ce qui a fait que ça a commencé? C'était à l'époque de Newton. Newton est l'un des premiers à avoir été évalué par ses pairs. Oui, mais demain, on va peut-être se faire évaluer par des IA, tu vois, on va peut-être se faire. D'accord, mais le principe, il est toujours. Ce que je veux dire, c'est que c'est le principe. Par exemple, il y a un article de Franck Gramu qui résume, qui explique tout ça. Je suis désolé de t'interrompre. Tu mélanges la réponse et la question. L'évaluation par les pairs, c'est une réponse. C'est une réponse à une nécessité qui est issue d'une question. La question, c'est comment faire des prédictions efficaces. Ça, c'est la science. La science, c'est pas que des prédictions efficaces. Si. Bah, donne-moi un exemple. En sociologie, quand on fait des travaux sur la démographie, on ne fait pas de prédictions efficaces. Ah, c'est dans le but de faire des prédictions efficaces. Désolé, tu connais pas. Je parle avec un sociologue en démographie, par exemple. Mais vérifier, c'est ça le principe. Attends, je vais te donner un exemple très concret. Alors là, pour le coup, je connais bien. En démographie, d'accord, vous avez la transition démographique, tout ça. Et bah, là, par exemple, il y a la démographie de la population algérienne qui contredit les modèles. Peut-être. Par exemple, et c'est très simple, il n'y a pas de théorie en démographie. Peut-être. Parce qu'ils ne savent pas. C'est juste des statistiques, c'est juste des données statistiques, et les chercheurs dans le domaine tentent de proposer et de trouver des causes
possible, mais il n'y a pas de prédiction. Il a fallu pour faire des données. Il faut juste des données. Statistiques, ces données sont des prédictions. Mais non, tu fais des études. Mais tu les fais grâce à quoi ces études? Tu les fais grâce à des principes, un questionnaire qui ont été où les gens vont poser des questions. Tu leur dis combien d'enfants vous avez, quand vous les avez eus, vous avez posé des questions. Ça va être standardisé internationalement. Et après, tu appliques par-dessus encore des autres statistiques qui vont trier, qui vont dire bon, il y a autant de pourcentage de gens là-dedans qui auront répondu pour telle raison au lieu de telle raison, donc on doit diminuer de tel facteur, et ça on le sait parce qu'une autre étude le montre, etc., etc. C'est, si tu veux, le principe est toujours le même. Dans science, c'est toujours j'ai un a priori sur le réel, j'aimerais savoir si mon a priori sur le réel est vrai, d'accord ? Donc mon a priori sur le réel pour la démographie par exemple, je voudrais savoir combien il y a de femmes, combien il y a d'hommes. Ça c'est parce que c'est l'idée de l'hypothèse 0, l'hypothèse 1 et de l'approche en statistique. En général. Ça c'est le fréquentisme, c'est encore autre chose. Non, mais... Et il y a le banalisme qui peut. De ce que j'ai l'impression de comprendre dans ce que tu dis, c'est que tu présentes en fait un aspect qu'effectivement on utilise en statistique, qui est de formuler des idées de façon à les réfuter. Mm-hmm. Mais il y a aussi des approches qui sont plus inductivistes. Il y a plein d'approches. Ouais. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que l'approche qui consiste simplement à récolter des données les plus solides et les plus robustes, à savoir, et les moins biaisées, c'est ce que font beaucoup de chercheurs, et ils n'ont pas ne posent pas nécessairement d'hypothèses. Au contraire, ils vont chercher... Mais une hypothèse, il n'y a pas que l'hypothèse qui permet de faire des prédictions, si tu veux. Quand je dis, dans la population, il y a 50% d'hommes et 50% de femmes parce que j'ai fait une étude démographique, je fais une prédiction. La prédiction, c'est si vous prenez tous les hommes et toutes les femmes et que vous les vérifiez indépendamment, vous trouverez le résultat 50%, 50%. Comment je l'ai fait? Voici ma méthode. C'est ça que j'entends par prédiction, si tu veux. Et la science, ce n'est que ça. Ce n'est que réussir à établir un corpus de connaissances, d'accord, auquel on va, pareil, de la même façon qu'on décerne la médaille méthode scientifique à une méthode qui s'est montrée la plus efficace parmi les autres. Eh bien, le corpus de connaissances qui va en sortir, on va lui décerner la médaille science en disant, ça c'est la connaissance scientifique parce que c'est la connaissance la plus éprouvée qu'on ait avec les méthodes les plus robustes qu'on ait à l'instant T de l'histoire où elles existent. Mais à ce moment-là, encore une fois, la définition d'un scientifique, ça revient à dire que quand on définit un scientifique ou quand on définit un sceptique c'est quelqu'un qui se met sous le patronage des résultats scientifiques d'un instant T. Alors non, parce que les résultats scientifiques sont toujours, toujours prudents, et il y a toujours Les avancer, mais il y a des consensus. Il y a des données qui sont fondamentaux, on ne reviendra pas sur Darwin. Si tu veux contredire un consensus, si tu veux contredire Darwin, tu peux. Non, tu peux pas. Il faut remplir certaines conditions. Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que... Elles sont extrêmes, ces conditions. Oui, mais sauf que, en fait... Quand on dit ça, c'est un peu biaisé, les gens pourraient mal comprendre. En fait, il y a tout un ensemble de connaissances, ceux qui sont enseignés à l'université, qui sont considérées comme acquises. Et c'est pour ça qu'elles sont enseignées. Mmh. Et ensuite, il y a la recherche qui est à la pointe de la pointe de la pointe et qui, effectivement, peut beaucoup se tromper. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un sceptique, c'est pas quelqu'un qui va justement s'appuyer sur la pointe de la pointe. Un sceptique, c'est quelqu'un qui prend le corpus scientifique et qui cherche ce qui est le plus solide chez les universitaires dans leur domaine. Qu'en biologie, par exemple, moi, si je dois savoir quelle est la définition, par exemple, du sexe en biologie, je vais voir qu'est-ce qui est enseigné et qui est fondamental acquis en biologie. Par exemple, la définition des sexes en biologie, c'est les gamètes. C'est les gamètes. Si tu produis des gamètes d'un type, tu es un mâle. Tu produis des gamètes d'un autre type, tu es une femelle. Mm-hmm. Mais ça, c'est pas de la recherche. C'est pas dans une publication. C'est dans un manuel d'université. C'est ce qui est enseigné et c'est Ça a été de la recherche à un moment donné. Oui, à un moment donné. Voilà. Mais je veux dire qu'un sceptique, à mon avis, prudent, c'est quelqu'un qui justement se dit « je ne suis pas compétent moi, je ne suis pas biologiste, je ne suis pas physicien, je ne suis pas sociologue en démographie. Donc moi je ne vais pas me risquer à tenter d'apprécier des résultats qui sont trop récents, qui vont être contestés par d'autres chercheurs. Je vais plutôt tenter de guider ma vie
autant que faire se peut, avec les résultats les plus solides de la communauté scientifique, à savoir ce qu'ils font consensus. Ouais, mais ce que j'aime pas trop dans cette approche-là, que je comprends hein, parfaitement, c'est qu'en fait, ce serait comme si l'objectif, c'était... comme si l'objectif prioritaire, hein, parce que c'est un objectif intéressant, évidemment, c'était de ne pas avoir... être quelqu'un qui n'a pas d'idées fausses en tête. Être quelqu'un qui n'a pas de connaissances fausses en lui. Tu vois ? Le moins possible. Le moins possible, de façon à être la personne la plus fiable possible. Non, pas la personne, mais avoir l'avis le plus fiable. Avoir l'avis le plus fiable possible. Personne ne pourra jamais être fiable soi-même. Moi, je crois très très fort, et je pourrais le développer, que l'approche sceptique, ce n'est pas ça du tout, en fait. Je crois que l'approche sceptique, elle est avant tout de travailler sur la flexibilité de nos taux de conviction. C'est-à-dire, même si je crois avoir une idée consensuelle à partager, je dois savoir à quel point je dois rester souple sur cette idée. Et c'est là que la zététique intervient. C'est dans la souplesse à garder sur les idées qu'on a. Je pense. C'est intéressant parce que c'est la question... Le droit à l'erreur. C'est même plus que ça. C'est un devoir de partir d'emblée avec l'idée qu'on fait des erreurs, qu'on est perfectible, qu'on va se tromper, etc. C'est pas juste un vœu pieux, c'est une règle de base, c'est qu'on n'est pas fiable. Et justement, tout est dans la souplesse, tout est dans toi, tu vas me donner une information, et selon la probabilité que je donne à la fiabilité de ton propos, eh ben je vais l'associer à la fiabilité de ton information. Et si je veux l'utiliser, je vais devoir la rendre plus fiable si je l'ai trouvée pas assez fiable. Je vais devoir y greffer plus d'arguments. Ou si je l'ai trouvée suffisamment fiable, elle arrivait à 75% de chance parce que je sais pas, tu me parles de ton métier, un truc où je te fais vraiment confiance. Et là, à ce moment-là, cette information, je vais accepter de la garder. Mais c'est juste dans la façon de traiter l'information qu'on est sceptique. Pas dans l'information en elle-même. Pas dans le fait de connaître du vrai et du faux. Je pense qu'on doit prendre de la hauteur sur cette idée de vrai et de faux. D'accord. Parce que c'est vrai que c'est pas du tout ma conception. Comment on fait alors avec cette conception que tu nous présentes pour identifier une personne qui est sceptique d'une personne qui ne l'est pas ? Soyons clairs, on est tous sceptiques. Hein, même le mec qui remet en question. Grimaud est sceptique. Bien sûr, Grimaud est sceptique, évidemment. Grimaud, va essayer de lui vendre tes dons de marabout, tu verras s'il est sceptique. C'est sûr qu'il est sceptique. Tout le monde est sceptique, dans une mesure plus ou moins... Pour toi, c'est une question de degré, en fait, ou c'est quoi ? Pourquoi, si Grimaud, tu le considères comme un sceptique, il est ce qu'il est et produit ce qu'il produit ? Notre petit cerveau a un gros problème, c'est qu'il a besoin de simplifier les concepts pour pouvoir les traiter. Et c'est très efficace, c'est une heuristique, on appelle ça. C'est très efficace, on simplifie les concepts, on jongle avec et on obtient des résultats, on peut les vérifier dans la vie de tous les jours et ça marche. Problème, les catégories, dans le monde réel, en dehors de nous, les catégories, il y a peu de chances qu'elles existent vraiment. Il y a toujours un continuum, si tu veux. Il y a toujours, les frontières sont toutes floues, il y a toujours un... D'ailleurs, j'avais fait une expérience à l'époque, c'est tous les sujets complotistes qui ont du succès. Si je faisais des ensembles comme ça de thèmes complotistes, c'était systématiquement ceux qui se rapprochaient des frontières floues qui avaient du succès. Ça fait réfléchir. Et donc, si tu veux, à partir du moment où tu acceptes que tu es obligé de passer par l'heuristique des catégories pour réfléchir, pour produire du raisonnement, t'es efficace, mais tu dois inclure à tes résultats une méfiance qui est liée à tes heuristiques. Tu as pris des raccourcis, en fait, pour arriver à ta conclusion. Donc, la fiabilité des raccourcis doit se retrouver dans ta conclusion. Et ça, on ne fait pas. On ne fait pas du tout. Parce que dans le monde réel, il n'y a pas les catégories. Dans le monde réel, il n'y a pas sceptique, pas sceptique, croyant, pas croyant. Ça n'existe pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et donc, forcément, quand on jongle avec des concepts comme ça, si on n'associe pas la prudence qu'on devrait avoir à cette façon de faire, à nos résultats, mais on se radicalise. Encore une fois, on se radicalise. On considère que nos idées sont justes parce que tout le parcours du raisonnement est juste, mais on oublie une chose, c'est que on n'a qu'un aperçu du réel. On ne sait pas, on ne connaît pas la masse manquante des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas. Et donc,
Il faut de la prudence. D'accord, il faut de la prudence. Mais par exemple, si on prend précisément le cas de la pandémie et de la politique vaccinale... Ah oui, gros dilemme. C'est ta façon d'aborder qui est un dilemme, pas la mienne. Parce que pour moi, c'est la confiance dans l'autorité de la science, la confiance dans la communauté scientifique et, et la confiance dans le consensus scientifique. Ah non, mais c'est compliqué, hein. Ce truc-là est super compliqué et très intéressant d'ailleurs, parce qu'alors à ce moment-là, on doit faire quoi ? On doit se dire, je vais placer ma confiance, si tu es sceptique en tout cas, un peu bayésien sur les bords, je vais placer ma confiance dans ce qui est le plus probable. Et ce qui est le plus probable, c'est pas ce qui va être le plus vrai à tous les coups. C'est comme ça que je me suis fait avoir avec l'histoire du Lancet. Tout le monde te les brise avec ça. C'est rigolo, on fait des mèmes, etc. C'est extraordinaire. Mais c'est un bon exemple, c'est un excellent exemple, parce que là, j'étais à un taux de conviction de, je vais dire, 95%, quoi, tu vois. Puis il y avait l'envie aussi. Et il y avait l'envie, ce que moi j'appelle le biais du scoop. Mmh. Ce que beaucoup de gens qui nous regardent maintenant sont en train d'avoir, d'ailleurs, un biais du scoop. Est-il en train de nourrir telle idée politique ou est-il en train de nourrir tel machin ? Et ils vont, par biais de confirmation, aller ressortir mes mots et dire, regarde, là, tu fais ça, tu participes. Bon, voilà. Donc, pendant la pandémie, on était sur le même problème. Est-ce qu'il faut... Et je comprends, hein, le succès de Raoult, l'emballement populaire, etc., pour cette façon de faire, on était obligé de parier parce qu'on ne savait pas. La vérité, c'est on ne sait pas. Là, pour le coup, on n'a rien. Tu vois, on ne sait pas. L'hydroxychloroquine, on ne sait pas. Je parle vraiment au début, hein, tu vois. Comment fonctionne le virus, on ne sait pas. Les masques, on ne sait pas. Au début, on ne savait pas. Et donc, il a fallu parier. Et malheureusement, si tu paries sur des scientifiques qui n'en savent pas plus... Qui ne savent pas plus, ce n'est pas vrai. Qui prétendent savoir... Non, attends. Parce que quand tu dis « on ne sait pas », ce n'est pas exactement vrai. Le virus en question était étudié depuis des années en biologie. Le vaccin en question, tu parles de quoi ? Je te parle de quelle décision politique prendre pour... D'accord, oui, c'est pas la même chose, parce que c'est pour ça que je demande une précision. C'est bizarre quand tu dis on ne sait pas. On ne sait pas dans la société civile qu'est-ce qu'on fait dans cette situation. Même au niveau scientifique, mais les scientifiques, certes, ils savaient pas, mais ils n'étaient pas dans l'ignorance. Raoult, c'est pas un débile mental. Hein. Non, bien sûr que non. Il savait très bien, il avait toutes les compétences pour connaître le passif de ce truc-là, et c'était pas déconnant son raisonnement non plus. Il a juste mis trop de convictions. Et le problème, c'est que quand tu es dans une phase où la vraie réponse, c'est « on ne sait pas », le premier scientifique qui dit « moi, je sais », il prend toute la place. Il prend toute la place et il va représenter la science avec ça. Et du coup, on a eu tout ce truc qui s'est articulé, où finalement, on t'a mis des débats entre un camp qui est ceci, un camp qui est cela, ces deux scientifiques, bam, non seulement on horizontalise leur avis, tous les deux disent qu'ils savent, alors que la vraie vérité, c'est que les experts, qui sont bien des kilomètres plus loin, ils sont toujours à se dire, mais désolé, les gars, on ne sait pas. Et pendant ce temps-là, la télé, c'est moi, je sais que c'est ça, et non, moi, je sais que c'est ça, et les gens, je dois choisir entre ces deux-là, en fait. Et on est loin d'avoir vraiment respecté l'autorité scientifique. Il faut la définir aussi. Qu'est-ce qu'on appellerait autorité scientifique ? L'autorité scientifique, c'est l'autorité qui procède du consensus de l'ensemble des experts du domaine. Comment tu fais pour l'avoir, le consensus ? Le consensus, c'est les résultats et le fait que les scientifiques du domaine produisent des résultats qui tendent à obtenir ces résultats. Historiquement, votre Académie des sciences était censée être un organisme qui fournit la réponse. Quel est le consensus actuel sur tel sujet ? C'était censé être ça. Oui. C'était une de ses fonctions. Alors, moi, je mets quand même une petite précision. Le consensus, il est en anglais, il est international. Oui, mais il n'est écrit nulle part. Il n'y a pas un organisme du consensus. Écoute, moi, par exemple, je vais prendre l'exemple du Sarcobalt. Quand nous, c'est arrivé, moi aussi, j'ai reçu des mails délirants de gens qui disent « Cours t'acheter des pâtes, c'est la fin du monde », etc. Et on est des sceptiques, on a vécu ça personnellement. Donc, moi, je vais prendre mon cas personnellement, comment je l'ai vécu. Et qu'est-ce que ça signifiait pour moi d'être un sceptique ? Parce qu'un sceptique, finalement, c'est Spinoza qui dit ça. Il dit quand la vie, elle est belle, tout va bien, on peut être un philosophe, mais c'est quand on perd un membre de sa famille, quand on connaît la ruine, quand on connaît les malheurs, c'est là où l'épreuve de la philosophie se fait. C'est là où on voit si les leçons étaient acquises. Et il y a une belle lettre où il parle de ça. Et en fait, c'est un peu ça pour moi, le scepticisme. Il y a une pandémie.
On ne sait pas ce qui se passe. Le gouvernement, il a l'air largué. Ah ouais, parce qu'un jour, c'est, tout va bien, allez, il n'y a pas de cinéma, moi, on va aller, on sort, y a pas, c'est pas si grave que ça. Ouais. Et le lendemain, c'est un autre discours, donc on voit qu'ils sont perdus et tout. Et je recevais des messages, en plus, c'était drôle, de types qui me disent, voilà, c'est la fin du monde, Assange, je t'aime bien, parce que, voilà, je veux que tu vives, je veux que tu survives. Alors vas-y, fais ça, prépare-toi, essaie de préparer. Et j'en ai reçu comme ça des MP et tout. Et en fait, tu peux paniquer. Tu dis, putain, merde, le mec, il m'aime bien, donc il veut me sauver la peau, donc il y a une peau à sauver. Moi, je suis là sur mon cul en train de... Qu'est-ce qui m'arrive là? Peut-être qu'il faut que je panique et je m'enfuis. Mais tu peux être comme ça, parce que t'as le gouvernement, parle d'une pandémie qui vient de Chine. Là, ça fait scénario film assez incroyable. Non, attends, il y en a, ils sont tombés, hein, c'est glissade totale. On s'est tous un peu chié dessus, hein, quand il commence à y avoir... Parce que quand t'as des gosses, en plus... Parce que ça fait rire, ouais. Encore, t'es tout seul, tu peux dire, bon, on verra. Putain, ouais. Les gosses, tu te dis, mais attends, peut-être... Ah, et imagine ça touche les enfants. Parce que moi, tu peux t'imaginer plein de choses. Mais... Les gens, on n'en parle plus, mais les gens s'imaginent pas à quel point ça a été important qu'on a su que ça touchait moins les enfants. Mais c'était la... Ça, c'était on a soufflé. Moi, je me souviens, j'ai soufflé. J'ai fait, pff, ok, d'accord. C'est pas contre les personnes âgées, si jamais vous regardez, on n'est pas contre vous, hein. Mais honnêtement... Le bon vieux coup, ils ont fait leur temps. Non, mais honnêtement... Bah, de toute façon, c'est prouvé. C'est psychologiquement, la souffrance de perdre un enfant, c'est pas la même. C'est la pire des douleurs... C'est l'une des pires des douleurs psychologiques en termes de deuil. Ce qui a été évalué... Moi, je me méfie tu vois, d'un truc de groupe, machin. Bon, ça concerne pas les individus, donc... Voilà. Bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que, comme tu l'as dit, on stressait tous autour de la question des enfants. Bon, et quand on a su que c'était voilà les personnes âgées et tout, on a un peu, on était plus souple quoi. Oui, parce que on s'attendait de toute façon à ce qu'à un moment donné. Voilà la date. Avec ou sans pandémie. Voilà, l'espérance de vie n'avait pas explosé quoi, avec ou sans pandémie. Donc, mais moi je me souviens. Et donc, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que pour autant je me suis jeté dans le fleuve et j'ai prié Saturne? J'ai commencé à me dire est-ce que et un dieu peut nous sauver, etc. Non, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, le scepticisme, c'est ce qui permet de faire de l'économie. En fait, c'est-à-dire que on va regarder, on élimine tout un ensemble d'éventails de possibilités et on est rationnel. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire juste que j'ai regardé au niveau, par exemple, vu les informations de l'OMS, j'ai échangé. Comme ça, je me suis fait avoir pour le Lancet d'ailleurs. Hein? Comme ça que je me suis fait avoir. Oui, mais c'est très drôle parce que, par exemple, moi, en fait, avec le cercobalt, nous, Anthony, il est chercheur en biologie, chercheur en biologie moléculaire. En fait, j'ai parlé avec lui. Lui me dit, nous, on est là-dessus, on travaille dessus, on nous a tous mis là-dessus. En fait, on connaît, c'est les coronavirus, ça fait tant et tout. Et c'est comme ça qu'en fait, je lui dis, il faut absolument que en discutant avec lui et en discutant avec un autre d'autres biologistes, en fait il m'a expliqué comment ça fonctionne tout simplement. Il m'a dit en fait il y a cette pandémie, on n'est pas trop sûr parce que on n'a jamais vu ce variant. Là c'est la première fois que ça prend cette proportion. On va voir, mais on est prudent parce que on sait pas trop. Mais c'est pas non plus la fin du monde. On va voir les données. En fait, ce qui pose problème, comme il m'a expliqué, c'est qu'en fait, d'un coup, il y aura énormément de gens qui vont avoir des problèmes respiratoires graves, etc. Et en fait, le système de santé va être saturé parce que c'est du côté politique, qui va être problématique. Mais du côté du scientifique, il n'était pas tombé des nues. Il m'a pas dit, mon Dieu, j'ai jamais entendu parler de ce truc, machin. Aucun scientifique n'est tombé des nues, ça, c'est sûr. Oui, mais sauf que c'est important. C'est ça que je veux dire, c'est que quand on va du côté, on écoute les scientifiques, on écoute une parole de gens pondérés qui disent, ok, on ne sait pas, il y a des choses nouvelles, etc., mais on n'est pas ignorant devant cette réalité. Oui, mais ce n'est pas les scientifiques qui font les règles. Ce n'est pas eux qui font les décisions, malheureusement. Pourtant, avec ces pandémies, si, parce que l'ARN, le vaccin qui est devenu la solution politique, c'est la science qui l'a offert. Oui, mais les mauvais scientifiques aussi, ils influencent les politiciens. Et le politicien qui se retrouve avec un scientifique qui lui dit... franchement, ne crée pas de mouvement de panique, parce que ce truc-là, tu vas voir, c'est une petite grippe. Sans citer personne. Et un autre scientifique qui dit on va se faire saturer, c'est le bordel, les trucs vont être débordés. Le politicien, il est sur un sacré dilemme. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'a fait la France? Oh, un merde. Non, mais au final, sur le ton long,
on a appliqué la politique vaccinale. On a vacciné la population. Oui. Mais c'est passé par... Et on n'est pas passé par l'hydrochloroquine ou par d'autres potions magiques. Vous avez failli quand même un petit peu. Mais c'est passé par une phase où il y avait une recherche des idées consensuelles. Et elle n'était vraiment, 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 vraiment pas facile à saisir. En tout cas, ce que je remarque, c'est que l'un des phénomènes à travers tous les pays, c'est que tout le monde est allé dans une direction qui est quand même la politique vaccinale. Et aujourd'hui, a posteriori, on remarque ça. Mais quand on était dedans, rappelle-toi, c'était pas du tout si clair que ça. Non, c'était pas clair parce qu'on n'avait pas la technologie, parce que le vaccin n'était pas sorti, on savait pas. Donc on s'est pris des confinements. Mais on a quand même eu les confinements, et pendant ces confinements, on entendait déjà parler de l'avancée de vaccins qui sont en train de se préparer. Ce qui est, pour moi, en fait, je l'ai vécu d'abord très bien du fait que j'étais rassuré par ce que me disaient des scientifiques. Et ensuite, j'ai par l'annonce de ces technologies qui avancent, et au fait que, en fait, certes, il y a eu le cas Raoult, qui était à la tête d'un institut très important en France, etc. Mais qu'en fait, à l'échelle de la communauté scientifique, il n'était rien. Dès l'instant qu'il a été identifié pour sa publication à chier. Mmh. Et on le sait, parce que Anthony, pour le Cercobal, puisque tu ne suis pas, mais nous, on a publié déjà très vite des articles sur l'étude sur la chloroquine, en montrant, il est allé dans l'étude, il a regardé, en me disant, oui, elle est à chier, cette étude. En mars, au début, je me rappelle très bien, on pouvait déjà dire, sans aucun problème, oui, les raisons que ce type utilise pour affirmer ce qu'il dit sont insuffisantes pour affirmer ce qu'il dit. Exactement. Même pire, parce que vu je crois qu'il m'avait expliqué le nombre de cas qu'il avait pris, puis après d'autres magouilles sur les... Après, moi, paradoxalement, je ne me suis pas tant que ça investi, parce que j'avais une assez grande confiance dans le process de la science des différents échanges. On a fait même une émission avec Laurent Alexandre sur ce sujet. On avait reçu Laurent Alexandre, on a fait une émission, et on parlait du cas de Raoult, de la chloroquine, de la pandémie, etc. Et moi, je l'ai vu plutôt comme la victoire de la science, la victoire de la technologie, la victoire, parce qu'il y a eu énormément d'innovations pour pouvoir transporter ce médicament ce vaccin à travers le monde. Il y a des problèmes de logistique qu'il fallait résoudre, qui étaient très complexes et qui ont été résolus, et des innovations ont été mises en place. L'autorité de la science, les scientifiques se sont pas fait berner par Raoult et sa blouse blanche. Il y a qu'en France, ben non, parce que maintenant, sur le long terme, quand on regarde sur ces années, ben non. Sur le long terme, mais quand on était dedans. Sur quelques années, mais même quand on était dedans, j'en avais parlé à Anthony, ça commençait déjà à douter, et certains chercheurs en retraite commençaient à éplucher ces résultats. Et sur un site, je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais ce sont des gens qui cherchent, qui refont, ça me fait rire, c'est des chercheurs à la retraite, qui reprennent les publis et qui cherchent des publis falsifiés, photoshopés. Et qui comme Elisabeth Bic et tout ça. C'est ça, oui. Mmh. Et donc, en fait, dans les échanges, c'était très clair qu'il y avait un énorme souci avec Raoult très tôt. Il n'a pas bluffé. Il a pu bluffer la société civile, il a pu bluffer des hommes politiques, mais pas la communauté scientifique. Ouais, enfin, vu il y a verre à moitié plein, verre à moitié vide. Hein. Moi, j'étais plutôt outré de voir que le gars avait encore son impunité, comme ça, pendant... Et ça, c'est un problème français. Pas un problème de la communauté scientifique. C'est la France, le problème, là, à mon avis. La France, elle fait partie de la communauté scientifique. Si elle ne publie pas en anglais, si elle ne travaille pas, si elle ne respecte pas, elle s'exclut... Raoult, il a inondé de publis 3000 en je ne sais pas combien d'années, là. C'est vrai. C'est quand même pas terrible, quoi. Plutôt bof, d'après ce que... Alors, c'est pas mon expertise, l'expertise des gens à qui je fais confiance, mais toutes plutôt bof. Donc... de nouveau, hein, on essaye là de diviser les choses. Mm-hmm. Moi, j'ai une vision très organique de tout ça, où tout est interconnecté, interdépendant, et il n'y a que des continuums entre mm-hmm. tous ces trucs. Mm-hmm. Donc, forcément... Pour revenir sur la question du scepticisme, j'aimerais poser une question concrète, parce que je suis assez étonné par ta vision, par la présentation que tu as du scepticisme. Est-il vraiment possible, selon toi, de penser contre soi-même? Est-ce que cela a du sens? Il faut définir penser contre soi-même.
Penser, bah, une fois, je tentais un entretien, tu dis, voilà, penser contre soi-même, c'est penser contre ses biais, c'est appliquer à soi-même la méthode sceptique, voilà, c'était tout un ensemble de... Penser contre soi-même, c'est juste... Et je voulais gros, savoir ce que tu entendais par ça. Être conscient du fonctionnement système 1, système 2, être conscient du fait que, même si système 1, système 2, au niveau scientifique, c'est plus subtil que ce qu'on trouve sur Wikipédia, acheter mon livre pour avoir les détails là-dessus. Ah oui, c'est vrai, tu vas sortir un livre. Ouais. Tu veux fini et après tu en parleras. C'est intéressant. Oui, si je l'ai écrit, c'est que ça doit être intéressant. J'estime qu'il est intéressant, au moins, tu vois. Qu'est-ce qu'on disait? Système 1, système 2. Le sceptique, c'est quoi? Le sceptique, c'est quelqu'un qui sait, attention, j'ai des a priori. Et mes a priori ont le même goût que ma connaissance. C'est-à-dire que si j'y prends pas garde, je vais avoir une tendance naturelle à mettre la même valeur de vérité sur un instinct que sur une connaissance. Une connaissance, j'aurais pris le temps, tu vois, de vérifier, etc. C'est ça que j'appelle une connaissance ici. Et donc, à partir de là, penser contre soi-même, c'est simplement se dire « Attends, le truc que je pense là, sur quoi il se base ? Est-ce qu'il se base sur cet a priori, cette pensée spontanée qui émerge dans mon cerveau, qui peut être intéressante, hein, elle peut être le fruit de ton vécu, etc. Par exemple, j'avais croisé une étude que j'ai jamais retrouvée, c'est chiant, où on montrait que les flics qui faisaient beaucoup d'interrogatoires avaient une meilleure sensibilité pour reconnaître les menteurs. Voilà, ils passaient de 50 à 60%, tu vois. Donc l'a priori, c'est pas de la merde non plus, c'est intéressant, c'est un truc dans la vie de tous les jours, ça, on n'a pas le choix, on en a besoin. Ça permet d'aller plus vite, etc. Mais le sceptique, il sait, il a conscience de ça. Il est censé, en tout cas, avoir conscience de ça. Et il est censé, donc, avoir une prudence en fonction de la provenance de sa conclusion. Tu vois ? Et c'est ça, penser contre soi-même. C'est juste ne pas se laisser aller à dire tout ce qui nous passe par la tête. Je ressens que c'est très vrai. Ok, je le dis comme si c'était très vrai. J'ai très envie de convaincre, alors je vais en rajouter. Tu vois, c'est arrêter ce système-là. Ce système intuitif et instinctif de dialogue et de transmission de l'information. Est-ce que c'est pas une... En fait, ce que tu dis, C'est un vœu pieux, hein. Mais justement, voilà, c'est hypothétique. Très bien, la personne, elle va se dire, voilà, je vais penser comme moi-même, mode 1, mode 2, très bien, voilà. Tout est OK, c'est parti. Mais en fait, la seule façon de savoir si... Déjà, alors lui je lui mets un petit jus d'orange dans son sac à dos, et je dis, allez, c'est parti. Sauf que, justement, moi, pourquoi je parle de cette question? Parce qu'en fait, pour moi, et ça fait partie de la définition aussi d'un des caractères du scepticisme, mais je pense que je suis en partie d'accord, mais ça fait partie de la définition, c'est qu'en fait, un sceptique, et là je reviens à cette idée de souplesse, mais c'est là... où elle vient, c'est-à-dire que on a des idées, on a des a priori, et de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Parce que moi, je dis toujours, le sceptique idéal, c'est celui qui sait qu'il est un mauvais sceptique. De toute façon, on ne peut pas faire autrement, on a des croyances, on a des biais. Moi, je pense qu'on a des biais idéologiques et du fait de l'évolution, c'est qu'il y a des... Entre autres, il y a des biais parce qu'on a des pensées qui sont en fait issues de notre biologie. Mais peu importe, en fait, fondamentalement, en fait, la force d'un sceptique, c'est quelqu'un qui va, s'il est face à des arguments de qualité, c'est-à-dire qui sont sourcés, qui renvoient à des sources claires, qu'il peut soi-même apprécier, et qui viennent contredire son narratif, sa compréhension du monde, il va faire face comme tout le monde à deux choix, ou plusieurs choix, si tu n'aimes pas les termes en binaire, mais il peut faire le choix de renvoyer la personne en disant, de toute façon, c'est un connard d'extrême droite. Oui, mais attends, lui, je crois que je l'ai vu avec un tel et tout. Non, c'est ce qui... Oui, ok, d'accord. Bon, allez, je continue à croire ce que j'ai envie de croire. Et il y a quelqu'un qui va dire, ok, ça me déplaît. Le sceptique, pour moi, c'est quelqu'un qui va dire, ça me déplaît, ça me fait chier, en fait. Là, il me fait chier, j'ai pas envie, en plus, j'aime pas les idées qu'il veut défendre et tout. Mais... il a quand même mis des liens, il y a des sources, il y a quand même des arguments, il y a une démonstration. Mmh. Et ça, je ne peux pas mettre de côté. Mmh. Ça, ils sont là, je dois faire avec. Et je dois accepter de les lire et de les apprécier. Et de me poser la question si, effectivement, pour cette question, pour ce fait, il a raison. Mmh. Ce que je croyais être vrai, et s'avère être faux.
Pour moi, le sceptique, il est à ce moment-là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vais être un peu rude. Je pense que ça, c'est une vision un peu naïve du sceptique idéal. Puisqu'on parle du sceptique idéal, hein, ce fameux sceptique idéal qui jalonne mon livre. Achetez-le. J'ai parlé de raisonnement bayésien, c'est peut-être le moment pour le remettre un petit peu sur la table. Parce que le raisonnement bayésien, dans la communauté sceptique, on se dit, oui, c'est classer les hypothèses, c'est reconnaître que... Quelle est l'explication la plus probable ? C'est l'explication la plus probable. C'est une espèce de super Occam, si tu veux, où on n'exclut aucune hypothèse et on garde toutes les hypothèses par probabilité. Et tant que l'hypothèse la plus probable n'est pas évacuée, eh ben, on la considère vraie jusqu'à preuve du contraire. C'est pas ça, le raisonnement bayésien. C'est une conséquence du raisonnement bayésien, ça. Le raisonnement bayésien, ce qui est super important à comprendre... c'est qu'on tient compte de la valeur des preuves, mais on tient compte de l'a priori de départ de la personne qui va apprécier la preuve. Et c'est ça qui est super important. Si toi, tu places sur la table une preuve que, je ne sais pas moi, que les licornes existent, et c'est une preuve qui vaut 50% de crédibilité, parce que c'est une photo et qu'on va dire que c'est une diapositive, c'est une Polaroid, 50%, je suis généreux. Mais bref, admettons pour mon exemple, cette preuve a objectivement 50 points de conviction sur 100. Hein. Et ben, si moi je crois à 0% aux licornes, je vais monter à 50 avec cette preuve. Mais si toi tu crois à 50% déjà aux licornes, cette preuve va être suffisante pour achever de te convaincre définitivement de l'existence des licornes, tu vois. Et donc, on pourrait se retrouver à parler de la validité de la preuve. On se tromperait complètement. Parce qu'en réalité, on apprécie la preuve en l'associant à nos a priori de base. Et donc, en fait, cette preuve, elle a certes une valeur intrinsèque, mais elle n'appartient pas aux humains, puisqu'on doit l'additionner à notre a priori de départ. Et donc, le sceptique idéal, ce qu'il doit faire ce que tu devrais faire si tu étais le sceptique idéal, c'est te dire j'ai mis telle preuve sur la table que je trouve amplement satisfaisante. Elle est super costaud, c'est solide, etc. Mais je sais que tel type de profil, qui lui est à 0% de conviction pour tel type de sujet, il va lui falloir beaplus que ça. Et tu sais que c'est pas juste parce que pour un sujet sur lequel il est déjà un peu convaincu, t'as pas besoin d'apporter des preuves aussi lourdes, tu vois. Et c'est ça le raisonnement bayésien, c'est tenir compte de l'a priori de la personne à qui tu communiques. Ça me fait penser à ce qu'on appelle l'argument de l'homme de fer. C'est un peu un Stillman, ouais, c'est ça. Et, un peu de ça. Et c'est exactement c'est l'objectif du cercle cobalt. Bah écoute, magnifique. Tant mieux. Je sais que ça fait arrogant, mais, ah, mais, non, mais sur un sujet donné, ce que je... En fait, tu sais pourquoi ? Bah, c'est lié peut-être à mon parcours. Parce que moi, on a tous un parcours. Parce qu'on s'est fait avoir, en fait. Moi, quand j'étais jeune... Je me suis fait avoir quand j'étais dans une organisation politique d'extrême gauche. Mmh. On m'a raconté des histoires, des belles histoires de lutte, de gentils, de méchants, de révolution où les gentils vont gagner et enfin le paradis et tout. Et on m'a bourré le mou. Mmh. Puis ensuite... Moi aussi, à peu près pareil, mais c'était les témoins de Jéhovah. Voilà. Mais pour moi, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire, il y a des croyances. Alors, non, parce que le marxisme a cet aspect très... se veut rationnel, scientifique et tout. Donc, je sais pas. Bah, c'est le packaging, on s'appelle le matérialisme scientifique, d'ailleurs. Le marxisme, d'accord. C'est du matérialisme scientifique. Je sais pas, j'ai pas cette culture. Et bah, moi j'y étais pendant des années, j'étais trotskiste, et qui m'ont bourré le mou, qui m'ont raconté des belles histoires, des défaites, des luttes et tout, et tout, et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai continué en fait facilement à croire à plein de choses. C'est-à-dire qu'on me disait, mais Hassan, ça c'est vrai, ça. Je dis, ah bah d'accord. Puisqu'ils me l'ont dit, il me l'a dit, pourquoi il va me mentir, ouais, le fameux. J'ai le même principe en zététique. Hein. Oui, et donc en fait, l'expérience, et là c'est juste une question d'expérience, je me suis rendu compte que pour qu'une idée, je crois à cette idée, ou que je lui accorde un intérêt, il faut que la quantité de preuves doit être très importante. Parce que, et c'est ce que j'expliquais, et c'est, des fois je t'ai dit, hein, je t'avais dit, on a échangé, tu m'as dit, oui, il y a des gens,
qui disent, voilà, le cerf cobalt, ils disent des choses, mais en fait, c'est faux parce que c'est ci, parce que cela et tout. J'en sais rien. Bon, une fois, tu m'avais dit ça, et moi, je t'avais dit, mais ils ont qu'à me contacter, même en message privé. Mmh. Même si en message privé, vous voulez me démonter, que c'est ni filmé, ni enregistré, qu'il n'y a aucune preuve. Faut encore, ça intéresse. Bah, y a des gens qui sont suffisamment intéressés pour faire des communiqués sur leur site en disant à quel point le cerf cobalt, c'est pas top pour la zététique. Là, Thomas Durand, apparemment, a fait une vidéo, si je ne me trompe pas, où il parle de notre article en 2019. Donc, il y a des gens que ça les intéresse dans la zététique. Il y a même des journalistes qui ont fait référence au cerf cobalt. Qu'est-ce que je t'ai toujours dit pendant 8 ans, c'est le jour où je parlerai du cercle cobalt, c'est parce que j'aurai étudié ce que vous faites. Ah non, mais moi, je ne te demande pas de parler du cercle cobalt. Non, mais tu vois, pour te dire... Moi, je n'aurais jamais sorti un article sur le cercle le cobalt, et je regrette les fois où j'en ai parlé, parce que je ne sais pas. Je n'ai pas étudié le truc. C'est pour ça que j'admire l'intégrité et l'honnêteté. Moi, tu me dis ça, et tu n'es pas le seul. Moi, en privé, d'autres sceptiques m'ont dit « Écoute, Hassan, en fait, j'y connais pas. En fait, ces sujets ne m'intéressent pas, parce que moi, je m'intéresse à ça, à ça. » Et moi, je dis « Ah, bah, il s'avère que moi aussi, ça ne m'intéresse pas, tes sujets. » Et il dit « Bah voilà, je dis « Mais il n'y a pas de souci, en fait. Moi, j'aime bien, j'ai regardé ta vidéo sur ceci, cela, et c'est tout. » Et il m'a dit « Mais moi, j'ai pas... voilà. » Donc, il n'y a pas de problème. Moi, encore une fois, c'est pour ça que je suis toujours cordial. Et c'est pourquoi... Je le rappelle, c'est juste que je dis ça par rapport au cerf cobalt, c'est que le cerf cobalt, parce que quant aux caricatures, mais en fait il vient aussi de cette envie de dire aux gens qu'il y a, comme tu l'as dit, un biais d'extrême gauche. Et pourquoi j'en parle? Parce que le cerf cobalt, en fait, il a été créé dans un contexte où en fait nous, au cerf cobalt, on le voyait ce biais. Quand Astronogeek dit dans une vidéo il y a une dérive de gauche ou wokiste, on a dit d'accord, mais moi ça m'a fait sourire parce que je dis mais c'est exactement le pourquoi du cerf cobalt en fait. Parce qu'en fait, à mon avis, dans l'histoire des sciences, les sciences ont éjecté les idéologies d'extrême droite, globalement on va dire les croyances, le créationnisme conservateur. Je ne sais pas si c'est parce qu'elles sont de droite ou d'extrême droite. Non, mais elles ont été exclues parce qu'elles sont fausses. Oui, voilà. Elles ont été exclues parce qu'elles sont fausses et elles viennent de cette culture politique. Les idées fausses, principalement démontées ou détruites, on va dire, au XIXe siècle et pendant longtemps, venaient de ce courant politique. C'est pas parce qu'ils étaient d'extrême droite. De nouveau, tout ça, ça me. C'est, mais si tu veux, on va très vite sur des concepts comme ça. Où on dit ça vient de là, donc ça produit. Mais par exemple, très simple, par exemple, le créationnisme religieux est généralement associé à la droite. Voilà, pourquoi ça, on ne associera pas plutôt ça à la religion ou plutôt à. Mais parce que c'est associé, c'est-à-dire que en fait, il s'avère que les individus ne sont pas juste purement des religieux. Ils sont religieux, ils ont un avis aussi politique, ils ont des avis sur comment doit s'organiser la société, etc. Et quand tu prends toutes ces données et tu les croises, il s'avère qu'il y a un profil qui peut se créer. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout confondre. À quoi il sert ce profil? À essayer de décrire la réalité le plus proche possible. Mais comment tu l'utilises? C'est ça qui m'intéresse, moi, si tu veux. C'est à partir du moment où on dit Tu ne l'utilises pas pour l'exclure, tu ne l'utilises pas pour caricaturer les gens. C'est juste pour comprendre un peu le processus historique. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, il y a une époque où simplement les idées dominantes étaient de droite. Et les scientifiques étaient face à cela. Par exemple, ils pouvaient, par exemple, être darwiniens au XIXe siècle, ça signifiait s'opposer aux dogmes de l'Église. Ça me gêne, moi, cette catégorisation droite-gauche, j'arrive pas à m'y faire. Il faudrait que je te renvoie un livre que tu lises. Je le comprends, parce qu'on m'a... Non, mais c'est que c'est des études internationales sur gauche-droite, ça fonctionne pour tous les groupes humains. C'est quasiment bizarre que tu dis ça, parce que c'est le truc le plus simple, le plus intuitif chez tous les groupes humains. Moi, j'y arrive pas. Je t'enverrai un travail. Je continue d'avoir l'impression que ces catégories existent pour montrer qu'elles existent. Non, c'est pas du nominalisme, non. J'en sais rien. J'ai eu cette conversation avec plein de gens. Il n'y a jamais personne qui a réussi à me convaincre. Moi, je ne sais pas ce que tu appelles pour convaincre, mais il n'y a pas de problème. En tout cas, ce que je peux faire, c'est te dire voilà ce que j'ai lu et qui me semble aller dans le sens qui pourrait t'expliquer. Toi ou même des gens, parce que évidemment, il y en a qui vont dire quoi, tu acceptes des bouquins d'Hassan et moi, je t'ai proposé des livres et tu n'as jamais accepté. Non, si vous voulez me proposer de la lecture pour me faire comprendre ça, allez-y, il n'y a pas de souci. Moi, c'est un seul livre et je ne vais pas te. Parce qu'on peut te noyer, ou une publication. En fait, je peux même t'envoyer un site. Je suis un grand garçon, je vais vérifier les machins que je lis quand même. Je compte bien. Calmez-vous les gens. Et donc, en fait, s'il va lire le livre que je vais conseiller, et donc,
Voilà, un nouveau membre au Cercobal, peut-être. Non. Oh non. C'est leur peur. C'est ça. Il y a des gens qui vont avoir la haine quand ils vont regarder cette vidéo. Il y a des gens c'est qui, possible qui ou vont, pas Il y a des gens qui vont avoir... Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent là, notamment nos copains harceleurs d'extrême-gauche qui sont évidemment en train de répertorier tout ce bisous. Qui est... On vous fait des bisous, les révolutionnaires, voilà, ça sur les claviers. Ça, c'est feu rouge, ça, c'est feu vert, ça, c'est feu rouge, ça, c'est feu vert. Des ça, grands révolutionnaires bolcheviques comme ça. C'est comme ça que Lénine a pris, d'ailleurs, le pouvoir. Il a tweeté. Il a fait des polémiques avec Trotsky sur Twitter, comme ça. Ouais. Excuse-moi, mais moi, ça fait rire. Parce que... mais après... Ah non, après, je suis désolé, parce que pour toi, effectivement, l'impact ça renvoie... Est réel. Ça rend... Oui, mais... Je suis d'accord avec toi, mais c'est leur prétention d'être des révolutionnaires qui me fait rire. C'est quoi, ça fait rigoler, effectivement. Mais après, le fait qu'ils harcèlent, je trouve ça dégueulasse à tous les niveaux. Que ça soit parce qu'ils ne t'aiment pas ou parce que des femmes subissent du harcèlement. Bah, moi et tous mes potes, etc., tu vois, je trouve ça tous mes potes du milieu, on vit la même merde. Hein. C'est, voilà. Et quand je dis mes potes du milieu, je dis mes potes youtubeurs qui ne sont pas spécialement zététiciens ou... Mm-hmm. Ou quoi, c'est la même merde, on se fait harceler par des... Bref, des gens qui pensent que c'est une bonne façon de militer, de changer le monde, etc., d'aller pourrir la vie de quelqu'un qui ne pense pas comme lui. C'est génial. Donc, je veux bien lire le livre que tu proposes, seulement ce qui me gêne avec les phrases de type... tu prends deux ensembles, des gens de gauche, des gens de droite, et tu regardes lequel des deux ensembles produit le plus de fake news. Il se trouve, apparemment, d'après des gens que je trouve assez fiables pour reprendre leurs informations, il se trouve qu'effectivement, les mouvements d'extrême droite produisent plus de fake news. Mais et après, on fait quoi de ça? On fait quoi de ça? Bah. Parce que ce qu'on fait de ça, ce qu'il ne faut surtout pas faire de ça et qu'on fait, c'est de dire le complotisme, c'est d'extrême droite. Ce qui est factuellement faux. Hein. Ça n'a aucun sens pour moi qui ne crois pas aux catégories. T'imagines bien le. Oui, d'accord. Attends. Parce que là, on est dans un autre niveau de discussion. Pour toi, en fait, les catégories n'existent pas. Les catégories sont des heuristiques. Les heuristiques, c'est des raccourcis. Ça, c'est un point de vue, ça. Attention. Bien sûr que c'est un point de vue. Parce que c'est pas. Il y a des catégories qui existent. Le problème, c'est qu'est-ce que signifie exister ou ne pas exister. Une catégorie, c'est juste. Alors, je pourrais faire un parallèle avec la physique quantique, ça serait rigolo. Le meilleur parallèle, c'est la définition d'une espèce. D'une espèce. En biologie. Probablement. En systématique du vivant, c'est le même problématique. Est-ce que, par exemple, si je vous dis le genre, par exemple, Homo sapiens, c'est une catégorie ou ça existe? C'est une cible. C'est une zone dans laquelle on va trouver un grand nombre d'eux. Est-ce que les races humaines existent ou pas? Alors ça, en revanche, étant donné les conséquences de ce discours-là... C'est bon, j'arrête. Étant donné les conséquences de ce discours-là, moi, je ne suis pas pour ce discours-là de façon publique. Ah oui, pour moi, c'est un discours qui doit avoir lieu entre des experts. Mais il a lieu, hein. Peut-être, j'en sais rien, entre des experts qui doivent s'échanger des données, et à un moment donné, il y a un consensus... Et nous, derrière, on reçoit le consensus. C'est des informations, quand tu les balances sur la place publique, elles sont instrumentalisées dans un sens comme dans l'autre, n'importe comment et jamais de façon correcte. Ah bah ça, tout ce qui sert à discriminer l'autre, de toute façon, tout ce qui peut servir à discriminer l'autre, de toute façon, c'est à ça que ça sert tôt ou tard. Certes, mais après, je pense que déjà, ça existe en sciences sociales. Peut-être, la notion de peut-être, race. C'est une notion qu'on emploie dans ce contexte-là, alors. Oui. Et transposer, vouloir universaliser comme ça des notions qui appartiennent à un certain domaine, c'est extrêmement imprudent. C'est comme mettre la puissance nucléaire dans les mains d'un enfant, tu vois. C'est toi qui décides qui sont les enfants? Mais non, mais justement, je pars de l'idée qu'il y a certains jouets qui sont très dangereux à mettre dans les mains d'un humain. Qui a évalué que c'était dangereux, ce jouet-là? La puissance nucléaire, beaucoup de gens sont évalués que c'était dangereux. Et tu vois, on arrive à une espèce de consensus où c'est une certaine élite intellectuelle qui va pouvoir traiter ces questions-là. Ah oui, d'accord, je suis d'accord avec toi. Et une certaine élite en termes d'ingénierie, en termes de politique. Tu penses que c'est la même chose pour le monde des idées? Parce que le nucléaire, c'est pas le monde des idées, c'est une technologie, il faut des ressources, il y a la possibilité d'utiliser ça comme une arme, etc. Je pense qu'il y a des connaissances en gestation pour lesquelles on n'a pas un consensus posé. Ces connaissances-là, il vaut mieux pas les mettre dans les mains du public qui risque d'en faire n'importe quoi.
qui risque de l'instrumentaliser. Mais le public peut aussi avoir un contre-effet très négatif qui va dire on nous cache, on veut pas en parler. C'est pas mis sur la place publique. Mais ça, c'est de la communication. Parce que regarde, le nucléaire, les gens ne disent pas on nous cache, on ne veut pas en parler. Non, on sait que des gens s'en occupent. Non, mais bien sûr. Mais le fait de dire qu'il y a un consensus ou que tel est le consensus, ce n'est pas un problème. Toi, si j'ai bien compris, tu considères qu'il y a des sujets, il ne faut pas en parler en public. Non, il y a des sujets qui, si tu les vulgarises, on ne peut pas en parler comme ça sur un coin de table. Ce n'est pas possible. Ça, je suis d'accord. Des questions pointues de vaccination, ce serait pareil, tu vois. On peut pas sur un coin de table. Il faut préparer son sujet, il faut le documenter et il faut l'apporter avec du lourd, si possible, avec un expert, tu vois, des trucs comme ça. Et donc, c'est mon projet, par exemple. C'est ton projet. Très bien, fais ça et fais ça très, très bien. T'as tout... pas moi qui... Je vais vraiment demander à des experts. Et c'est pour ça que tous les invités... Et le prochain invité, ça sera un biologiste qui travaille sur ces sujets. Eh bien, fais bien attention parce que quand le public s'empare de ces sujets-là, eh bien, il fait de la merde avec. Et ça, c'est ce qu'on remarque. Le public, il fait toujours de la merde. Quel que soit le sujet. Ben non, il y a des sujets où il fait un peu moins de merde quand même. Tu sais pourquoi il fait de la merde ? Parce qu'en fait, c'est, à mon avis, hein, c'est ma compréhension. C'est simplement parce que c'est la distribution moyenne de l'intelligence. Parce que le public, il a 100 QI en moyenne. Là, on est dans le on est au PMU, là. Il dérape. Non, pas du tout. On boit une bière, on est au PMU, là. Pas du tout. La distribution gaussienne du QI, tu connais pas ? Si, mais quel est le QI, quel est son impact, quelle est sa pertinence? Plus tu augmentes le public en nombre, plus la moyenne va diminuer. Et en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tu as un public qui plus... En fait, c'est évident ce que tu viens de dire. Tu es en train de dire, il faut des experts, des gens qualifiés, qui vont discuter dans un comité réduit. Donc en fait, tu es en train de dire qu'il faut des gens en fait, qui sont intelligents, compétents, qui savent de quoi ils parlent, qui savent que l'autre n'est pas en train de dire n'importe quoi, versus un public large, d'incompétents, d'incultes, et qui ont sûrement un quotient intellectuel moyen. Le quotient intellectuel n'est pas nécessaire dans le calcul. Moi, je considère qu'il est nécessaire. Toi, tu veux pas, mais moi... L'inculture est largement suffisante. Non, parce que les ressources cognitives sont très importantes pour apprécier la complexité du monde. C'est comme la puissance d'un moteur. Si t'as pas la puissance... Corrélation esprit critique et quotient intellectuel, par exemple, ça va pas de soi non plus. Non, déjà, pas de du base. Tout. J'ai jamais dit ça, mais il faut, encore une fois, ce que je viens de dire, des ressources cognitives, c'est nécessaire, mais non suffisant. Tu as des gens très intelligents, mais qui peuvent être irrationnels, qui peuvent être totalement biaisés, faire de l'oligalisme politique. Et d'ailleurs, on en a tout le temps, hein, dans le monde universitaire. Je suis le premier à mettre en avant et critiquer que dans le monde universitaire, il y a une emprise idéologique. Donc, alors que c'est censé être là où il y a des gens très intelligents. Et il y a des gens très intelligents qui sont militants et qui sont biaisés, etc. Preuve que c'est pas connecté pour moi. Non, c'est pas connecté à l'échelle de chaque individu au cas par cas. Mais tendanciellement, si on prend des statistiques en quantité, tu as tendanciellement une corrélation plutôt positive. C'est ça que je suis en train de dire, c'est tout. Or que là, on parlait de masse, on parlait d'un public de centaines et de centaines de milliers de personnes. Je sais pas si c'est pas vrai et je vois pas en quoi c'est utile. À partir du moment où tu sais que... Tu vois, revenons sur le truc du nucléaire. Enfin, moi, j'ai fait cette remarque juste pour dire que, globalement, en fait, je suis d'accord avec l'idée, mais on peut l'appliquer, on peut le dire pour plein de sujets. On peut voir des gens qui vont mal comprendre les arguments contre l'homéopathie. On peut avoir des gens qui vont mal comprendre les arguments qui critiquent Grimaud, qui critiquent d'autres choses. À cause de leur a priori. D'ailleurs, même on peut même prendre le cas du fait qu'une personne... On peut prendre des gens qui vont très très bien comprendre comment débunker, qu'est-ce qui est pseudo-scientifique au niveau d'une thématique comme la pyramidologie, et ils vont être incapables de le transposer sur un autre sujet comme l'homéopathie. Donc, à cause de leur a priori de base, de nouveau. Ça peut être à cause de leur a priori de base, ou peut-être parce que il y a aussi ils ont une incapacité cognitive à le faire, parce que ça leur coûte trop. J'ai rien vu de mon expérience à moi et de mes bulles de filtre et de mon. C'est peut-être que je suis très biaisé. Ça se trouve, tu vas. Non, tu as peut-être toi des raisons qui t'appartiennent. Peut-être que tu as vécu à un moment donné. Quelque chose très en lien avec l'intelligence, le QI ou la performance, j'en sais rien. Moi, c'est juste que j'ai découvert... C'est toi qui as raison, si ça se trouve, c'est moi, on ne sait pas. En tout cas, je tiens à dire que le public du Média pour tous, c'est un public de qualité. Comment on le sait ? En commentaire. On va voir les commentaires. Si les commentaires, c'est juste les commentaires. C'est pas un jugement de valeur, encore une fois. À chaque fois, ce sujet,
j'ai l'impression que je suis en train de juger les gens. Je juge personne. J'ai jamais dit que j'avais. Tu sais, c'est un peu comme dire, ce serait un peu comme si, comme les zététiciens qui diraient, oui, nous, dans la communauté zététique, on a quand même globalement des gens plus cultivés que la moyenne, plus intelligents que la moyenne. Est-ce que c'est faux ou c'est vrai? C'est moi, peut-être je crois vrai. Pas, je crois pas trop. Toutes mes incursions dans d'autres univers que je, mm-hmm. que je préjugeais comme ça, je me rappelle notamment mon petit passage à la Commission européenne. Je pensais. Tu croyais que les gens à la Commission européenne étaient incultes et moins intelligents les zététiciens? Attends, excuse-moi. Là, on parle d'un open space. Hein. Je pensais que j'allais trouver. Tu sais, j'avais. C'était en 2007. J'étais encore assez jeune et comment on appelle ça je jugeais mal, quoi. Naïf. Alors il y a naïf, mais il y a prétentieux. Prétentieux. Je suis encore prétentieux, mais moins. Et j'y allais en me disant, je vais jamais me faire un pote là-dedans, quoi. Tu vois, moi je dis, type en canard en costard, c'est pas du tout pour moi. Moi je sortais de l'underground, pour moi c'était, j'allais pour pomper du blé, point. Et pas du tout, j'ai rencontré la même diversité que partout en fait. Et c'est ça que je me dis moi avec le temps, c'est que la même diversité est partout. Il faut vraiment aller dans des retranchements. À une époque, j'étais plutôt connu pour une web série. J'allais dans des groupes très divers, hein, des gens qui étaient passionnés plutôt par ci, plutôt par ça. Je vois la même diversité partout, la même diversité intellectuelle, culturelle. J'arrive pas à me dire tel milieu. Peut-être chez les astronautes, on est plus intelligent. Ouais, là, il y a une grosse sélection. Tu penses que chez les physiciens, ils sont pas plus intelligents que la moyenne, quoi. Je pense pas, non. Ah ouais. Je pense pas. C'est une question de définition des termes, peut-être. Ah oui, il faut définir l'intelligence, etc. Et est-ce que le QI est une bonne mesure de l'intelligence et quelle définition donne l'intelligence? Il y a un journaliste qui s'appelle Philippe Gouliot qu'on a reçu ici et qui est l'un des spécialistes francophones de ce sujet. Ah, mais s'il y a un spécialiste, alors il va me fermer le clapet. Ah non, moi je parle de mes a priori. Non, attention. Moi je parle de mes a priori. Non, attendez, stop. C'est pas carte Pokémon et il va te fermer le clapet. C'est pas ça. C'est je connais quelqu'un qui parle français. Qui est spécialiste depuis des dizaines, il a fait des sites reconnus, voilà, après. Et si vous voulez vous orienter et lire là-dessus, c'est pas vers moi. Je dis pas aller vers moi, je mets en avant une personne que je connais en français, parce que sinon en anglais il y en a plein, hein, mais en français il n'y en a pas des masses. Donc je vous le conseille, le site s'appelle douance.com ou douance.org, je ne me souviens plus, et c'est Philippe Gouliot. Et qui traite de ça, de la question du QI, de la définition, etc. Il était intervenu une fois aussi pour critiquer Idrissa Berkham sur le fait que Idrissa Berkham avait contesté la scientificité du QI. Voilà. Donc moi, c'est pas encore une fois. Si vous voulez aller sur ce sujet, je vous propose cette personne ou Franck Gramieux sur ce sujet qui a fait une excellente conférence de la FIS. Pour la FIS, sur la question de l'intelligence et de la mesure. Je crois que Gauvry aussi s'est beaucoup occupé de ça. Gauvry aussi, effectivement, Nicolas Gauvry. Je ne voilà. m'intéresse pas trop à tout ça, parce que j'ai moi, je suis passionné j'ai vu par que ça. C'était pas un... Moi, ça me passionne, moi. Mais effectivement, c'est très gênant, parce que si on admet que le QI est une bonne mesure de l'intelligence, on admet aussi que donc il y a des gens moins intelligents que d'autres, et c'est compliqué moralement de... C'est compliqué de continuer moi, à rêver. Je comprends qu'il y a un tabou là-dessus, je comprends. Le tabou le problème, évident. Il est le même que dans tout, si tu veux. C'est qu'on voit des tendances, quand on fait des études de groupe. Et on se dit, je vais utiliser, moi je veux influencer cette tendance, je veux qu'elle soit à la hausse ou je veux qu'elle soit à la baisse. Et on se dit, ben, je vais essayer d'influencer sur ces groupes-là. Comment je vais faire? Je vais m'attaquer à des individus et je vais évaluer des individus. Mais c'est pas du tout la même approche. Quand tu analyses un groupe, si tu analyses 200 personnes et que leur moyenne d'âge c'est 50 ans, les gens qui seront en minorité dans ce groupe, c'est précisément les gens de 50 ans. L'individu moyen, tu vois. Et donc en fait... Je comprends pas du tout ce que tu veux dire. Le QI, est-ce que le QI déjà à quoi ça me sert si tu veux dans la vie de tous les jours ou dans mon approche d'un expert ou dans la vie sujet. De tous les jours, c'est dans la compréhension du monde. Moi par exemple personnellement, j'ai compris pourquoi le marxisme était un niveau de bullshit en partie quand j'ai découvert qu'en fait la bourgeoisie ce n'est pas une classe dominante ignoble qui organise sa domination via les institutions comme l'école, mais en fait que l'école n'organise pas aucune domination. Pourquoi à l'Assemblée nationale il y a une surreprésentation de professions comme médecin, architecte, avocat et pas ouvrier? Pourquoi dans les grandes écoles françaises il n'y a pas d'ouvriers, il y a une sous-représentation d'ouvriers même s'il y en a? Ben parce que c'est la distribution gaussienne du QI. Parce que pour pouvoir passer l'école normale supérieure, le concours en biologie, il faut
avoir des capacités. Distribution gaussienne des héritages aussi, ça peut jouer. Comment ? Distribution gaussienne des héritages. Il n'y a pas de distribution gaussienne des héritages. C'est une blague. Mais cette blague, elle a une réalité en sociologie, parce que les gens, ils n'ont toujours pas compris que les lois de Mendel, qui existent depuis le 19e siècle. Donc en fait, est-ce que c'est si aberrant que ça, qu'une personne qui est médecin l'est parce qu'en fait, elle a des capacités cognitives qui lui permettent de supporter ce qui est nécessaire de faire pour pouvoir obtenir ses études, c'est-à-dire il faut être capable de travailler à une certaine vitesse, de mémoriser, de comprendre tout un ensemble de compétences. Et pourquoi pas, si tu veux. Non, mais attends, effectivement, pourquoi pas. Mais sauf que c'est pas une explication. Pour moi, c'est juste l'explication la plus parcimonieuse au fonctionnement de nos sociétés. Moi, quand tu dis que... ça, je vais te transposer ça en vision. Tu me construis un truc avec un bout de bois qui est. Ok, c'est peut-être le bout de bois le plus solide du tas, mais il a quand même une sale gueule. Et tu mets un truc comme ça là, puis là, ça tient plus ou moins. Et là, regarde, ça tient. Non, ça, c'est a priori. Ouais, ça tient. Non. Là, c'est. Je t'explique mon a priori, ce que ça me fait. Ok, ça te fait cet a priori parce que ce sujet ne t'intéresse pas et je pense qu'il ne t'intéresse pas et que tu as un a priori négatif parce que tu n'aimes pas cette idée. Non, c'est parce que je ne vois pas de raison, si tu veux, d'utiliser ça. Il y a une voie et une raison pour voir la réalité. Non, c'est monocausal, quoi. C'est t'explique tout c'est par un QI. Peu, voilà, c'est monocausal. C'est simple. Il y a les petits indices qui sentent pas bon, tu vois. Très alors bien. Parfois, ces petits indices, peut-être. En fait, ils sont bons. Par contre, moi, pour vous dire, monsieur Sam, je suis totalement contre ceux qui ne veulent pas que Hassan s'exprime ou qui le traite de je sais pas quoi. Pourtant, je suis en désaccord avec lui, tu vois. Mmh. Et là, on est sur ma chaîne. Et je trouve sain qu'il puisse donner, en fait, son avis, qu'il puisse donner ses sources, etc. Et qu'il y ait un débat. Moi, je m'y connais rien. Par contre, je pense que son exclusion du milieu de la zététique me semble injuste. Mais ça, c'est la question à 1000 points, évidemment. Hein. Alors moi, j'ai pas le droit de prendre la parole pour tout le monde et dire non, il faut faire comme ci, comme ça. Moi, je suis pour qu'effectivement, les choses comme je vois les choses de façon assez organique, je suis pour que les choses se résolvent de façon assez organique et j'aime pas la censure. J'aime pas qu'on... Si tu veux, j'aime pas me rendre compte après 8 ans que j'ai jamais été parler à Hassan parce qu'on m'avait dit de pas parler à Hassan. J'aime pas ça. J'aime pas cette sensation-là. Et donc forcément, si on m'a dit de ne pas aller parler à Hassan, il y a plein d'autres gens qui pensent ça aussi, forcément. Et donc ça veut dire qu'il y a ça qui tourne sur lui. Et donc lui, il est persona non grata, du coup. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas une bonne méthode. Après, t'as les gens qui se disent « Oui, mais moi, attends, c'est pas ça que je fais. Moi, je fais un cordon sanitaire sur telle et telle idée. » Ok, mais tu l'as pas dit au moment où tu m'as dit de ne pas aller voir Hassan parce qu'il était ascendant moustache carrée, je sais pas quoi. Tu vois, donc... C'est un peu le bordel à ce niveau-là. Moi, j'ai pas la réponse. Mais je suis un peu comme toi. Je suis pour que les gens s'expriment et que les gens aient droit à des conséquences réelles de leur discours, pas à des conséquences qui viennent de l'a priori parce que ce serait un homme ou ce serait une femme ou ce serait un expert, un non-expert, tu vois, etc. Je suis pour que les gens aillent sur le site du Cercle Cobalt et analysent les contenus et fassent des debunks, parce qu'il y aura forcément des debunks, toute information... a une quantité de debunk à avoir. Je suis pour que ces choses-là existent et je regrette, moi, en fait, d'avoir participé à un truc où son cas était réglé avant même d'avoir été étudié. C'est pas une bonne méthode, quoi. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi aussi, je suis d'accord. Bah, j'imagine bien que t'es d'accord. Maintenant, je t'entends parler et je me dis « Ah, c'est pour ça !» Tu vois ? Et je crois... Et c'est pas grave. C'est pas grave en soi parce que t'es pas... Tu vois, il y a des gens, ils me regardent, ils me disent... Mon Dieu, il nourrit l'extrême droite. Mais t'es pas l'extrême droite, tu te résumes pas à l'extrême droite, c'est pas le parti dont tu te revendiques, c'est pas les idées dont tu te revendiques en plus. Il y a des gens qui associent ces idées-là à ces trucs-là. Et en fait, non, t'es juste Hassan dans un fauteuil qui balance sa petite goutte d'eau dans l'océan des idées et cette goutte d'eau va avoir des remous qui vont s'additionner aux autres remous. Bon. Parce que j'aimerais aussi préciser que moi, je m'adresse justement à des sceptiques parce que, en fait, au fond, c'est là où il y a le plus de coups à prendre. Puisque ce sont là les gens qui vont dire non. Mais oui, et c'est ça le paradoxe. Ta salade, Hassan. Mais moi, je ne la veux pas. Et en fait, moi, c'est ça le paradoxe. C'est que j'ai dit, mais voilà, oui, j'ai affirmé tout ça. Et tu vas me dire, Hassan, ça sent mauvais et tout. Mais parce que moi, j'ai vraiment envie que si tu montres que j'ai déraillé, j'ai dit, putain, mais en fait, il a raison. Et que je ne revive plus ce que j'ai vécu par le passé.
à savoir me coltiner des fausses croyances. M'endoctriner, tout. Donc moi encore une fois, contrairement à ce que vous pensez, et c'est pour ça que tu dis que c'est paradoxal, mais c'est parce que je n'attache pas de valeur émotionnelle aux idées. C'est ce qui m'emmerde avec la militance actuelle, c'est on est là, ouais, le scepticisme, on y croit. Et puis quand il s'agit de se dire, écoute, moi je vais aller parler scepticisme à un type qui a des idées que t'aimes pas. Ne fais surtout pas ça, il faut surtout pas leur donner les armes du scepticisme. Oui, mais attends mon coco, si tu crois au scepticisme, lui, une fois qu'il l'aura dans les mains, il va mieux raisonner. Donc c'est ça que tu devrais souhaiter. Tu vois, ça c'est mon raisonnement maintenant. Et donc franchement, je crois que ce qui s'est passé, c'est que t'as une espèce d'aura, il y a un a priori généralisé sur ce que tu fais sur ton travail, et personne n'a été vérifié. Je crois qu'on est des milliers comme moi à même pas avoir ouvert vos pages, parce qu'on avait une idée préconçue du truc. Bien sûr. Ouais. Et on a des idées préconçues de 20 milliards de trucs, et on n'a pas le choix, parce qu'on doit faire des raccourcis. C'est vrai. C'est regrettable que le travail n'ait pas été fait, surtout si tu as fait un certain effort en termes de courtoisie, en termes de qualité, de structuration de ton travail, c'est-à-dire mettre tes sources, d'où viennent l'épistémologie de ton travail. Si tu as bien fait ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit retroussé les manches pour le faire. Alors, dans une émission où il y a eu Richard Monvoisin et d'autres zététiciens, Richard Monvoisin avait dit que c'était au conditionnel, s'il se mettait à appliquer la méthode zététique, normalement, il devrait en rester que poussière du cerf cobalt. Voilà. Mais il m'a fait une promesse. Sacré mais depuis Richard. Des années, cette promesse n'est pas résolue, n'a pas été... moi, j'espère vraiment qu'un jour, il tiendra sa promesse. Et en attendant, j'ai eu que des calomnies. Hein. C'est que des sophismes à deux balles et tout. Et puis, c'est caca, c'est pas bien. Mais moi, honnêtement, c'est vraiment c'est ce qu'il pense. Pour moi, on est en plein plutôt dans la mission ZEM, là, en fait. Hein. C'est pas un peu de ça qu'ils devraient faire. C'est pas un peu leur déclaration. Tu sais que c'est drôle, parce qu'il y avait un autre zététicien, un autre sceptique qui est en MP, il a dit « Mais putain, ils me font chier, ils viennent me casser les bonbons à moi, alors que c'est à vous qu'ils devraient harceler, essayer de débunker ce que vous... » cible, j'ai l'impression. Vous devriez pas être leur cible et tout. Moi, j'ai dit non, mais parce qu'en fait, ils veulent pas. Pourquoi ? Parce que... Ah oui, mais ils vont te mettre en avant. Oui, c'est 50 mecs qui vont mettre en avant... Et donc quoi, en critiquant AstronoGeek, ils mettent en avant AstronoGeek ou pas ? Ou je comprends plus, là, comment ça marche ? Je pense qu'en fait, à mon avis, c'est parce que, comme on est sur une thématique où, en fait, c'est sourcé, le fait qu'il y a des sources à prendre en compte et à devoir travailler à démonter, ça prend du temps. Et en fait, d'abord, il y a un investissement de temps qui n'est pas évident. Parce qu'en fait, débunker des trucs comme la Terre plate, etc., je ne dis pas que c'est facile, mais c'est faisable, c'est assez simple. Il ne faut pas être physicien pour débunker la pyramidologie, il ne faut pas être un égyptologue. On prend le travail qui a été fait, on va le rendre digeste, etc. Le boulot, il est quand même fait, on envoie des liens, voilà. Mais là, on parle sur le QI. Là, j'ai présenté, c'est choquant, les gens disent « Mais qu'est-ce que c'est que ces idées ?» et tout. Parce que personne ne les connaît. Enfin, en France, c'est catastrophique de toute façon. Et moi, je dis « Il n'y a pas de problème. J'ai aucun problème. » Parce que je sais les sources et les universitaires qui travaillent dessus et avec les personnes que je suis en contact. Donc, en fait, ce qu'ils ne veulent pas, moi, à mon avis, leur stratégie, c'est qu'ils ne veulent pas s'engluer dans une discussion. Parce qu'ils devront faire face à des résultats, à des données, en disant « Oui, ok, bon, là-dessus, ils ont raison. » Par exemple, aux États-Unis, il y a un consensus qui s'appelle « Il y a un gap entre les ethnies, il y a un gap de 15 points de QI en moyenne entre des populations aux États-Unis. » Ça ne veut pas dire que c'est pas social, c'est peut-être la pauvreté, c'est peut-être des problèmes d'intégration, c'est peut-être il y a différentes choses qui peuvent expliquer ça, les politiques du gouvernement, voilà, l'histoire, le racisme, ce qu'on veut, etc. Mais en fait, ce consensus, il existe quand même. Ouais, mais moi, tu vois, mon a priori, c'est que le QI, c'est surfait, donc... Oui, mais moi, à mon avis, c'est que tu n'y connais rien. Probablement. C'est pour ça que tu penses que c'est surfait. Mais je dis que c'est un a priori. Je dis vraiment. Quand je crois ce sujet dans mes sources d'informations en général... La tendance, c'est de dire « Ouais, on en fait des pataquès, mais le QI, c'est bien pour évaluer les compétences au test de QI. » Tu sais que... C'est ce qui ressort dans mes réseaux d'information et mes bulles de fil. Vraiment, la France, la francophonie, c'est magique. C'est vraiment... Est-ce que tu me permets une petite pause ? Je dois aller pisser. Ouais. Mais on fait une pause. Mais est-ce qu'on conclut pas plutôt, non ? Ah non, on conclut pas, il est que 14h. Et ça fait 2h de mission, là. Et après, on fait pas spécial pour les... Oh, je voulais passer à Sciences Po. Oui, non, oui. Vas-y, je t'en prie. Je peux aller pisser oui, ou pas ? Oui, bien sûr, évidemment, bien sûr.
Avant de poursuivre l'entretien, je vous invite à aller en description sous la vidéo. Vous allez y retrouver le lien du site du Cercle Cobalt, où vous allez retrouver tous nos articles. Il y a aussi le lien de mon compte Twitter, Hassan Cercle Cobalt. Vous allez voir mes échanges et les polémiques que j'ai avec d'autres sceptiques sur différents sujets. Et le lien vers le livre que va prochainement sortir Monsieur Sam. Maintenant, reprenons. En tout cas, ce qui est intéressant, bon, on va pas continuer cette discussion sur le QI, on a compris, moi, il n'y a pas de problème de toute façon. Je suis pas le bon interlocuteur. Non, mais de toute façon, je t'ai pas invité du tout pour parler de ça, attention, pas du tout, c'est normal. De toute façon, il n'y a absolument aucun souci. Je dis simplement que moi, de mon point de vue, j'ai toujours des sources, je renvoie toujours vers des sources. Maintenant, ça ne veut pas dire que j'ai forcément tout compris ou que je suis l'avocat ou le mieux placé. Et encore une fois, comme je l'ai fait, je renvoie à d'autres personnes. Allez voir d'autres personnes, pas moi. Ça devrait engager des aides à venir voir ce que vous faites. Exactement. Encore une fois, je rappelle aux gens, moi, dans ma conception, et effectivement, j'ai trouvé ça très intéressant, comment toi, tu présentes, on a un peu une compréhension un peu différente, mais moi, c'est vraiment ce que j'estime être les idées les moins fausses et chercher à avoir le moins, de contenir le moins d'idées fausses. Donc, d'un côté, tu peux critiquer, mais on peut critiquer, j'ai entendu, et vraiment, je trouvais ça intéressant. Mais il y a aussi le fait que, quelqu'un qui me dit « Non, mais là, tu te trompes », je vais quand même avoir envie de l'écouter. Même si ça peut me faire chier, même si derrière, il y a du mépris, de l'arrogance, enfin, j'en ai connu, mais ça, c'est pas très grave, ça, finalement. Mais si quelqu'un me dit « Écoute, Hassan, au fond, je sais que tu te trompes, et je vais t'expliquer pourquoi », honnêtement, moi, ça m'intéresse. Écoute, bouteille à la mer lancée, j'ai envie de dire. Hein. Exact. Le problème, c'est que c'est unilatéral. Vu que je suis là, il y a des gens qui vont venir l'écouter. Donc, des gens qui seraient susceptibles de s'attaquer à son taf, un peu plus écouter. Moi, j'encourage, faisons le taf. On est là pour le scepticisme, faisons du scepticisme, merde. C'est tout. C'est pas plus compliqué. J'aimerais aborder quelque chose qui a rien à voir, enfin, qui n'a pas à voir directement avec le scepticisme, mais tu as exprimé des avis sur la politique, pas des avis au sens où tu as dit c'est ça qu'il faut ou c'est ça, pas du tout. Dans une interview, tu as expliqué que la politique devrait être en accord avec les données scientifiques. Oui, enfin, ça c'est le raccourci, oui. Oui. Grosso modo, oui. J'aimerais que tu développes cette idée, puisque vu que c'est un raccourci. Je n'ai pas travaillé dessus, mais en gros, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas ce moyen dont on parlait tout à l'heure pour un politicien de dire voilà, on est en situation de crise, là maintenant j'ai besoin de savoir quel est le consensus sur cette question, ou l'état du débat. Parce que le consensus, c'est l'aboutissement de l'état du débat. Et il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Donc c'est un petit peu tous les politiciens dans leur coin, avec leurs experts favoris, ceux qui arrivent à les courtiser. Alors il y a le lobbying qui rentre là-dedans, il y a plein de trucs qui se cognent dans tous les sens. Et il n'y a pas une vraie organisation de l'information fiable, si tu veux. Il n'y a pas d'organisation de ça. C'est assez évident pour les experts, chacun dans leur domaine. Mais il n'y a pas moyen pour un non-expert, alors sauf sur les questions très triviales, mais sur des questions de pointe, comme ça a été le cas pendant la pandémie, il n'y avait pas moyen pour un non-expert, fût-il du gouvernement, d'obtenir un rapport indépendant. Voilà, l'état du débat, c'est ça. Il y a autant qui se demandent ça, autant qui se demandent ça. Et je pense que tant qu'on n'a pas ça... Pourtant, il y a quelque chose qui ressemble à ce que tu dis. Ça s'appelle « evidence-based policy ». Je sais pas si tu as déjà entendu, c'est la politique fondée sur des preuves. En fait, la politique fondée sur les preuves est une idée de politique publique qui propose que les décisions politiques soient basées sur ou informées par des preuves objectives rigoureusement établies. Elle s'oppose implicitement à l'élaboration de politiques fondées sur l'idéologie, le bon sens, les anecdotes et les intuitions. C'est l'équivalent gouvernemental du mouvement de l'altruisme efficace. Il y a 5 éléments clés d'une politique fondée sur des preuves, l'évaluation du programme, l'élaboration du budget, la surveillance de la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des résultats et l'utilisation des résultats de l'évaluation. C'est utiliser justement l'expertise scientifique pour envisager différentes solutions politiques. Alors c'est beau, mais qu'est-ce qu'on met derrière ça? Parce que tu vois, tu dis plein de mots. Je te fais référence à ça, mais dit plein de mots. Mais il utilise des mots comme preuve, objectivité, etc. Qu'est-ce qu'on met derrière ça? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que moi, je pense que... Mais est-ce que ça ne serait pas mieux que la politique aille dans ce sens-là, déjà? Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Je pense qu'elle peut faire tout l'inverse en faisant ça. Elle peut aussi tomber sur
avec les mêmes mots, le même texte, hein, faut pas oublier, les mêmes mots, le même texte, selon la personne, on va l'interpréter différemment, l'effet mm-hmm. Puy, l'effet Barnum. Et je pense que là, on est sur un effet Barnum. Je pense D'accord. que on pourrait se retrouver avec une politique scientiste extrêmement néfaste qui... As-tu connaissance de politique scientiste néfaste? J'en sais rien, je sais pas, je dis ça comme ça. J'imagine, tu vois, j'imagine, là c'est le scénariste qui parle, j'imagine une politique qui définit comme ça, très administrativement, ce qu'est une preuve, ce qui est vrai, ce qui est faux. J'imagine c'est pas l'idée. L'idée, c'est de partir comme font les sceptiques, des consensus scientifiques, de faire appel à des biologistes quand il y a une pandémie. Est-ce que les sceptiques font ça? C'est pas ce qu'ils font, les sceptiques. On va dire c'est l'idéal. C'est pas encourageant, tu vois. Celui dans ton livre, on va dire. Celui dans mon livre. Oui. Mais il n'existe pas, celui dans mon livre. C'est même pas moi. Mais c'est un idéal. J'essaie même pas de lui ressembler, pour dire vrai. J'y crois pas. Pourquoi t'es sceptique si tu veux pas lui ressembler? Comme je te dis, pour moi, un vrai bon sceptique, qui n'est pas le sceptique idéal, un vrai bon sceptique, c'est quelqu'un qui sait qu'il est un mauvais sceptique. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pas grand-chose. On se gourre moins et on se fait moins avoir dans la vie. Mmh. Et c'est passionnant parce qu'on voit plein de petits trucs sur les tours de l'esprit. Voilà, on peut faire plein de petits trucs rigolos. La représentation du hasard, quelle est la cause, corrélation, causalité, des trucs. Mmh. Tu vois, c'est rigolo. On fait du divertissement aussi, hein, nous, les youtubeurs. On ne fait pas de l'enseignement. Hein, contrairement à ce que... confusion qui est de plus en plus installée. On est sans comparaison avec ce qui se fait réellement dans les milieux scientifiques. On est des guignols, quoi. On est des petits clowns. On parle des miettes qui tombent là de ces experts qui, eux, de la même façon, ne comprennent pas ce qu'on fait exactement, etc. Tu vois. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'avait frappé. C'est il faut le dire, un mépris de certains chercheurs pour. Ah oui, bien sûr. Moi, par exemple, Anthony. Qui est chercheur, m'a dit, mais moi, jamais je dirais... il aurait honte de dire à ses collègues que je m'intéresse à la zététique, dans la recherche et tout, quoi. Et ça, c'est un aspect qui est vrai, qui existe. Je le comprends, donc, et c'est dommage. Et c'était le cas dans la vulga aussi. Hein. Non, mais pour dire aux gens que des fois, les zététiciens peuvent se prendre au sérieux, mais pour d'autres, c'est des guignols, pour d'autres... Tout est complexe. Enfin, toujours, selon la personne, les contextes, les machins. Mais comme je lui ai répondu, je lui ai dit, mais écoute, c'est un zététicien, si tu veux, c'est juste exactement ce qu'on fait au quotidien, ou un sceptique, c'est ce qu'on fait au quotidien quand vous achetez votre bagnole, quand vous prenez votre crédit auto, quand vous avez un commercial qui vous explique que ça, c'est la meilleure fenêtre à mettre chez vous, vous allez douter. Et vous allez vérifier. Mmh. Et en fait, un sceptique, c'est quelqu'un qui fait ça, mais pour l'ensemble des idées qui se présentent à lui. Il ne le fait pas, personne ne le fait. C'est quelqu'un qui s'intéresse à ça, je dirais. Il s'intéresse à ces mécaniques. Mais dans les faits, je ne vois pas une énorme différence entre les gens issus de la communauté sceptique et les gens lambda, quoi. Tu penses, de par ton expérience, tu ne vois pas de différence? Si, j'en vois une, mais dans les faits, si tu veux, dans les conséquences réelles, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup d'énergie pour un résultat, certes bien, pas mal, mais je veux dire, c'est pas visible. Tu regardes un sceptique dans sa famille avec sa maison et son travail, et un non-sceptique dans sa famille avec sa maison et son travail. Ils ont tous les deux une bagnole. Tiens, il a une bagnole, le sceptique. Et pourtant, s'il était un peu intéressé par l'écologie, il essaierait de ne pas avoir une bagnole. Bah tiens, c'est pas un vrai sceptique, alors. C'est intéressant, parce que tu exprimes, j'ai été surpris, tu exprimes des convictions écologistes. Mm-hmm. Mais tu n'as pas eu l'occasion de développer des arguments ou d'appuyer là-dessus personne. J'ai l'impression que tu as demandé de développer sur cette idée. À moins que je me trompe, peut-être non. Ça existe. Non, je ne l'ai pas fait. Je comptais le faire, je comptais lancer un format là-dessus. Mais... Moi, en fait, ça m'intéresserait que tu prennes le temps de développer ça. Pourquoi tu considères qu'un sceptique devrait être écologiste ou... Je ne considère pas ça. Je considère que... Ou en tout cas, comment s'est créée cette conviction écologiste ? La conviction écologiste, elle est en moi parce que c'est un sujet qui m'intéresse depuis toujours. C'est un sujet qui a justement été brinque-ballé de complotisme à non-complotisme, hein, l'écologie, il ne faut pas oublier. De complotisme ? Bien sûr.
Tu fais référence à quoi, par exemple? Demande à une personne de 60-70 ans comment était vue l'écologie dans sa jeunesse. Tu verras que c'était des alarmistes, des ceci, cela. Et à raison. Ah, tu parles du rapport Maïden, je sais pas, du rapport de Rome. Il y a certaines personnes qui ont eu raison à cette époque-là, pour de bonnes raisons, mais il y a beaucoup de personnes qui ont lancé des alarmes dans tous les sens, très mal. Quand on voit les conséquences sur la culture populaire du nucléaire, waouh, quoi, tu vois. Des gens qui croient que les cheminées émettent du CO2 alors que c'est de la vapeur d'eau, tu fais ah ouais, d'accord, bon, bah, l'écologie, elle a pas très bien fait son taf, quoi. Mais l'écologie aujourd'hui, l'écologie, on va dire rationnelle, qui est evidence-based, on va dire ça comme ça, elle est intéressante. C'est pas l'écologie politique, c'est l'écologie. D'accord, c'est intéressant. C'est l'écologie rationnelle, quoi. C'est le côté. Pro-nucléaire, par exemple, comme. Pro-nucléaire. Comme solution technologique au réchauffement climatique. Je dirais pas pro-nucléaire, mais je dirais si tu veux critiquer le nucléaire, fais-le avec des données qui sont vraies, quoi. Le fais pas avec l'idée que, bah, justement, les cheminées crachent du CO2, parce que ça, c'est pas vrai. Si t'es antinucléaire pour ça, t'es pas antinucléaire pour des bonnes raisons. C'est ça qui m'intéresse dans l'écologie. Mais par exemple, l'écologie, dans sa majorité, de ce qu'on lit, beaucoup d'écologistes sont, par exemple, antinucléaires, considèrent que... La question des déchets, tu vois. Des déchets, ils peuvent... Ah oui. Ils sont pas tous nécessairement dans des arguments aussi fumeux. Ils utilisent d'autres arguments, mais... Mais c'est ce qu'Étienne Klein dit, la compétence est décorrélée de la militance. Décorrélée de la militance. Donc, c'est-à-dire, les mecs, ils vont critiquer l'enfouissement des déchets, mais ils n'ont pas conscience des arguments en faveur de l'enfouissement des déchets. Mmh. Et c'est que si tu as l'ensemble des informations, l'état du débat, que tu peux avoir, que tu peux émettre un... Mais ce que je veux dire, moi, c'est... Mais d'où te vient, en fait, alors, qu'est-ce qui fait que tu es écologiste? Pourquoi c'est cette idée, tu t'identifies? Par exemple, tu as dit à un moment, si on est un écologiste cohérent, on n'achète pas de voiture qui consomme du carburant fossile. Mm-hmm. À un moment, je crois que tu avais dit que dans un entretien, tu prendrais moins l'avion, ou tu aurais, en fait, une éthique écologique. On mangerait pas de viande. Voilà, pourquoi? Pour quelle raison faut faire tout ça? Il faut faire tout ça si on veut aller jusqu'au bout du process. Moi, c'est pas mon cas. Moi, mon cas, c'est je... C'est quoi le jusqu'au bout du process? Dans la vie, il y a une quantité de causes épousables infinies. D'accord? Actuellement, il y a des stars des causes épousables qui tiennent le devant de la scène et d'autres qui sont mis en retrait. Je vois que les violences infantiles, on n'en parle pas beaucoup. Je vois que les problèmes liés à la drogue, on n'en parle pas beaucoup. L'alcoolisme, on n'en parle pas beaucoup, etc., etc. Non, mais comparé à d'autres sujets. Et donc, si tu veux, je me dis, c'est très simple. Les gens ont accès au marché des problèmes et ils choisissent de s'investir dans tel ou tel truc. Ça, d'accord. Moi, je suis contre les violences animales. Je suis contre des tas de trucs. Et pourtant, je bouffe de la viande. Et parce que j'ai une quantité de courage limitée pour m'attaquer à des sujets, et cette quantité-là, je l'ai investie dans l'esprit critique, dans le scepticisme. Mmh. Et donc, désolé, mais les autres causes, je sais que je veux les faire, que je dois les faire, mais j'ai pas... Mais d'où elles tenaient, ces causes? Pourquoi? Ah, mais ça, c'est le contexte social, c'est l'environnement. Rationnellement, avec ton... Justement, c'est ça qui est intéressant. On prend une cause concrète où il faut agir. Le cheminement, c'est quoi? Ça va commencer par une sensibilité à ça, de toute façon. Mm-hmm. Un premier discours, je sais pas, Jean Covici, Aurélien Barreau, qui me fait m'interroger, donc je vérifie, je trouve des trucs, et je pense à ma fille qui va vivre dans ce monde futur, et je me dis, ah ouais, quand même, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce qu'ils ont dit, Aurélien Barreau, par exemple? Que mes a priori étaient faux. Par exemple? Un très bon exemple qui m'a marqué, c'est le fait que les nouvelles énergies ne remplacent pas les énergies précédentes. Oui. En fait, elles s'additionnent et on fait cumuler, quoi. Oui. Voilà. On est vraiment des sales gosses. Et donc, cette logique-là... Pourquoi on est des sales gosses? C'est normal, en fait. Non, c'est normal, mais je trouve, disons que si on était tous des grands sages, si on était tous des Gandalf, on ferait pas comme ça, tu vois. On ferait quoi? Je caricature. D'accord, mais j'aimerais aller jusqu'au bout pour bien comprendre. Qu'est-ce qu'on ferait? On se dirait, oh, chers amis, en ce beau mois de... Je sais pas encore on est là, en mai. En ce beau mois de mai, nous avons consommé autant de kilowattheures. Eh bien, grâce à l'éolien, nous allons pouvoir consommer cette partie du kilowattheure uniquement en éolien. Allons-y! Et on ne consomme pas plus. Mais c'est pas ça qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est on ajoute de la compétence, de la capacité au pouvoir humain.
et on y va, on exploite. Donc toi, tu ne crois pas du tout à la solution du développement du capitalisme, de la technologie, de l'industrie, tout simple, et du progrès scientifique? Non, je crois que ça, c'est nous ramener... C'est pas juste un problème technologique, l'écologie. C'est nous ramener à du monocausal ou à du monopossible. Je pense que tout... Ben non, parce que la technologie, c'est une multitude de choses. C'est une multitude de choses, mais c'est pas que ça politique. Ça peut être l'IA, ça peut être une invention, ouais. Ça peut être une nouvelle ressource d'énergie incroyable qu'on n'imaginait pas. Je suis pas technoprophète, mais je suis pas anti-technoprophète non plus, dans le sens où c'est évident qu'aujourd'hui, on s'imagine comment sera le monde dans 50 ans, à condition qu'on ne fasse aucune découverte. C'est évident qu'il y a une espèce de biais. Quand mais on fait pas, ce genre d'analyse. C'est pas ce biais-là qu'on retrouve dans l'écologie où on a l'impression que dans les discours écologistes, le progrès scientifique, technologique, les savoirs se stagnent et donc à l'instant T deviendra une espèce de constante et comme si on n'allait pas trouver des solutions pour capter le CO2 dans l'air ou pour diminuer. Capter le CO2, c'est mal barre. Hein. Je sais pas, je suis un peu renseigné, j'ai vu des trucs. Je connais pas. D'accord. Ouais, non, c'est vraiment très compliqué. C'est une molécule ultra stable. C'est un oxyde, donc c'est le truc. Il bougera plus. Capter le CO2, ça va être chaud. Mais je ne sais pourquoi pas. Tu vois, j'ai vu récemment une idée aller faire péter des trucs sur la Lune pour faire un nuage de régolithe qui masquerait le Soleil 6 jours par an. Et on diminue la température de la Terre. Pourquoi pas? Je suis sûr qu'on va mettre en œuvre des moyens technologiques. Mmh. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? C'est oui. ça la question. C'est vrai. Ce qu'il vaut mieux faire, c'est être prudent, c'est se dire... Donc diminuer la... On ne sait pas si on va les avoir. D'accord. Donc toi, en fait, tu dis, il y a un saut technologique qu'on n'a pas. Et dans cette situation d'incertitude, parce qu'on est dans l'incertitude, mais on est dans la certitude du réchauffement climatique et des conséquences pour nos sociétés humaines, il faut suivre des politiques prudentes où on impacterait moins. Si tu veux, tu fais ça dans la vie de tous les jours. Moi, dans ma société, tant qu'un film n'est pas fini de monter, j'en fais pas la promotion. Pourtant, je suis quasi sûr qu'il va être monté. Et là, on est dans un truc où je suis optimiste. Mm-hmm. Pour la technologie, par rapport au réchauffement climatique, je suis moins optimiste parce que les facteurs sont ultra conséquent et j'espère que l'intelligence artificielle va nous aider à gérer ces variables infinies et à proposer des solutions intéressantes, etc. Je suis sûr qu'il va y avoir des tentatives et j'ai confiance aussi au fait qu'on sous-estime la capacité humaine. Je rappelle qu'en 61, je pense, c'est JFK qui dit dans 8 ans, on est sur la Lune avec la technologie de nos calculettes aujourd'hui, tu vois. Et il l'a fait, quoi, en 8 ans. C'est complètement dingue, un truc pareil. On ne s'imagine pas parce que c'est dans notre culture. Alors, je ne sais pas si les dates sont bonnes, hein, mais il y est arrivé. Enfin, il y est arrivé. Ils y sont arrivés à faire une espèce de prouesse. Maintenant, on pourrait naïvement se dire, eh bien, quand on sera en situation de crise, ce sera probablement la même chose qui va arriver, je ne sais pas, à la fusion. On va tous se mettre sur la fusion et on va y arriver en un rien de temps. Mais là, les experts, ils disent... Certes, c'est pas déconnant comme idée, mais attention les cocos, la fusion, il y a d'autres enjeux qui ne peuvent pas être influencés par le rajout de compétences ou le rajout d'argent ou le fait qu'on... Voilà, il y a des enjeux physiques, des découvertes à faire qu'on n'a pas. Mm-hmm. Des trucs comme ça, tu vois. Mm-hmm. Les stabilités, les machins, j'en sais rien, je parle sans savoir. Et donc tout ça fait que l'attitude de base, c'est la prudence. Donc si je suis responsable d'un discours, je vais vulgariser l'écologie... Mais je vais avoir un discours prudent, évidemment. Je vais pas être comme Jean Covici, qui, lui, va avoir un discours fondé sur la peur, où il va... Alors, c'est une bonne méthode, hein, je la critique pas. J'aime beaucoup la façon dont il présente le sujet. Mais, en gros, si tu es un esprit un petit peu... où tu as envie de prendre de la hauteur sur les choses, si tu es justement un peu sceptique, ça va pas te plaire, ce discours, parce qu'il est très... C'est comme ça et pas autrement. Donc... Mmh. Ça, c'est une approche mais c'est une approche qui est salutaire pour parler des questions d'écologie et les mettre sur le devant de la scène. Moi, mais là, on est dans question de com. Positif de Jean Covici, c'est que il est à la fois sous le feu il est entre deux feux du fait que justement, il a une approche très rationnelle sur le nucléaire et qu'il défend le nucléaire comme solution pour pouvoir passer à l'électrique, etc. Et alors que ça va à l'encontre des discours. Dominant des écologistes anti-nucléaires, etc. Et tout en étant populaire dans un discours écologiste. Oui, il y a quelque chose qui marche chez lui, il y a un truc. Donc c'est vrai que c'est un discours. Alors,
Donc en fait, tu t'intéresses à ce sujet. Moi, c'est intéressant parce que pour moi, j'ai une approche qui, on va dire, plus stoïcienne. C'est que c'est en dehors de mes compétences, c'est en dehors de, je ne peux absolument pas contribuer, si ce n'est suivre si il y a un consensus qui arrive à aller là. Et de toute façon, en fait, on va dire, c'est encore une fois naïf, mais moi j'ai une confiance relative aux élites politiques et intellectuelles scientifiques. Et je vois des écologistes rationalistes qui défendent le nucléaire comme solution à court terme pour diminuer le réchauffement climatique, etc. Et je vois des gens vraiment intelligents et compétents qui s'investissent. Et moi, comme par exemple le fait que lors d'un vote à l'Assemblée de l'Union européenne, je sais plus, le nucléaire a été été inclus comme énergie renouvelable ou comme énergie permettant de lutter contre le réchauffement climatique, alors qu'il y avait un énorme lobbying des écologistes. Quand j'ai vu ça, pour moi, c'était vraiment la victoire. Ah, c'est positif. C'était positif, c'est la victoire de la raison, qu'il y a des élites. On est dans un truc où typiquement, j'aurais aimé qu'il y ait une instance qui puisse délivrer les consensus. Et si un mouvement politique va contre le consensus, au moins c'est connu. Il ne peut pas prétendre représenter le consensus scientifique. Mmh. C'est ça qui m'embête, moi. C'est vrai, je suis d'accord avec mais toi. Mais je ne veux pas les empêcher de le faire. Non, bien juste, je suis d'accord avec toi. Mais moi, c'est en ça que, aussi, ce qui est peut-être positif avec l'émergence des IA, c'est que la connaissance va être plus facilement accessible pour les gens, plus vite, plus facilement. On s'est dit ça à l'apparition d'Internet. Hein. Mais moi, je crois en ça. Je trouve que c'est merveilleux parce qu'avec Internet, on a un accès extraordinaire des connaissances, des compétences. Si là, il y a une personne avec qui on veut dialoguer, on peut très vite aller sur Google Scholar et vérifier quand même, avoir des données, etc. À l'époque où on était, il fallait aller dans une bibliothèque et où votre professeur, c'était une autorité suprême, puis vous l'écoutiez et puis vous disiez c'est comme ça, c'est ce qu'il dit. Et je pense qu'il y a une amélioration sur le long terme. Mais la contrepartie, c'est Gisèle de son patelin qui peut horizontaliser sa parole avec celle d'un expert, tu vois. C'est vrai. Sans vouloir stigmatiser les Gisèle. Bien sûr, mais électoralement, ceux qui ont tenté de politiquement d'aller vers ce public-là, bah finalement, quand on voit Philippot, ce qui se passe, etc., ils restent quand même à la marge de la société, ils sont extrêmement bien identifiés, ils gagnent pas d'élection, ils font quelques pourcentages, et ils sont vus comme faisant partie du décorum des délirants. Peut-être, je connais pas, je sais pas. C'est un homme politique qui est allé à fond pro Raoult, pour la chloroquine, qui a un big pharma, tout ça, ce genre de choses, et qui a ressuscité sa carrière politique à l'occasion de la pandémie en jouant sur tout ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai, c'est possible. On dit qu'avec les réseaux Internet, des gens peuvent s'organiser, des communautés énormes de gens qui ont des croyances non conformes à nos connaissances, peuvent s'organiser, etc. Mais ces gens-là, ils existaient déjà, et en plus, il s'avère qu'ils ont finalement... Est-ce qu'ils ont vraiment barre sur l'orientation de la politique ? Est-ce qu'ils ont barre sur les institutions ? Je suis plus d'accord avec les travaux de Bronner là-dessus, sur la dérégulation du marché de l'information. Je trouve que ça, c'est assez pertinent. Mais bon, ça, c'est parce que... Tu peux expliquer ? Eh bien, comme je te dis, c'est cette espèce d'horizontalisation, le fait que Gisèle de son patelin puisse maintenant avoir une communauté, alors qu'avant, elle était un petit peu la folle du village ou de la rue. D'accord. Ici, maintenant, elle peut avoir une communauté de gens qui la soutiennent et donc se dire, mais attends, moi, j'ai vraiment une voix... Et donc, on est dans une espèce d'hyper-démocratie. Non, ça, c'est vrai. Démocratie, oui, je suis d'accord, ce que Bronner appelle la démocratie des crédules. Oui, oui. Et ça, on l'avait pas vu venir, tu vois. Ça, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que l'IA va ramener ? Moi, je reste prudent. Il nous reste 15 minutes de bobine, là. Ouais, on va... D'accord, mais non, mais on va arrêter, là. On va arrêter, c'est bon. Parce que t'es parti pour... C'est devenu une tribune... Ça fait 8 ans qu'il attend, c'est enfin. C'est devenu une tribune politique, là. Donc, tu es... Non, je rigole. Non, mais en fait, c'est fini, hein. C'est terminé. Non, mais c'est vrai, c'est la fin.
C'est juste que j'étais vraiment curieux d'avoir sur l'écologie. Je m'y attendais pas, en fait. Ah bah, je suis touché. Et j'avais une vraie curiosité. Je voulais me dire, pas tiens, une opinion très intéressante. Je ne fais que regarder des gens qui produisent du contenu là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est comment quelqu'un qui se met sous le patronage du scepticisme va aller sur ce sujet-là. Comment il fait? Est-ce qu'il merde pas? Est-ce qu'il écoute? Est-ce qu'il est conscient? Comment tu vas le dire? Là, tu vois, c'est une expérience. Comment tu fais concrètement? C'est ça qui est intéressant. Okay. Et je trouve ça super intéressant parce qu'on a un cas concret. Tu vois, il y a un cas pratique. Tu vois, c'est un sujet très polémique. Et on dit, tiens, comment il va faire? Allez. Et si, au contraire, c'est... Enfin, moi, personnellement, ça... Bon, peut-être je suis tout seul, mais moi, ça m'intéresse. Non, si ça t'intéresse, c'est que ça intéresse d'autres personnes. Bon, on va s'arrêter là. Écoute, Monsieur Sam, je te remercie énormément pour cette discussion. J'ai trouvé passionnante. Vraiment intéressante parce qu'on a des points de vue sur le scepticisme, sur son histoire, puis notre appréciation est vraiment différente et m'a beaucoup intéressé, m'a fait réfléchir, peut-être que je sais pas, on a vu, mais je prenais vraiment en compte ce que tu disais, j'essayais de prendre en compte, voir qu'est-ce qui me bloquait. C'est vrai, je te remercie, c'est très agréable quand c'est comme ça. Et c'est avec humilité que j'ai écouté, parce que je trouve ça très intéressant, et aussi avec humilité parce que je sais que ça coûte plus pour toi de prendre la parole ici. Et donc, je salue aussi ce courage. Voilà. J'assume simplement mes propos. On ne se résume pas à nos idées, on ne se résume pas aux solutions qu'on propose. S'il y a une chose qui nous résume, ce sont les questions qu'on se pose avant tout. Et je pense que dès lors qu'on se pose des questions sur le scepticisme, je suis pertinent pour intervenir. Et puis c'est tout. Voilà. On va se quitter là-dessus, sur ces paroles. Je te remercie à nouveau et je vous dis à très bientôt.